pour YouTube, au moins que voilà. Je vais évidemment pas mettre clairement, mais hein, c'était juste les joies du direct. Mais au moins sur YouTube. Je vais pas vous imposer un truc gnangnan pareil. Alors. Ben, sur Twitch et Twitch, j'ai demandé un accueil, s'il vous plaît. Mais tu sais, Je suis dans le menu du jeu. c'est bien, bravo. Vilain en te provoquant, mais là où je suis nunuche, c'est que il est à craindre que j'ai deux comptes Epic Games, que ça m'étonnerait pas. Et en fait, tu as dû me solliciter sous le bon pseudo, mais le premier compte dont je sais plus à quelle adresse il correspond. Ah bah non plus, bah je peux pas voir ça moi. Oui, bah oui. Mais c'est pas grave, à partir du moment qu'on arrive à se retrouver dans un. Enfin voilà, c'est tout moi. Hein. On voit que je joue régulièrement. Hein. Je suis pas foutu de gérer mes adresses mail avec les plateformes de jeu convenablement. Voilà. Du coup, si je dis option amis seulement en ligne, Ouais, ça va déjà mieux déjà. ça devrait être mieux. Amis uniquement, retour. Partie. Retour. Ouais. Retour. Est-ce que je peux faire clic droit jouer avec? Non. Vous Peut-être en êtes sélectionnant seul. dans la liste en bas là. Attends, vous jouez sur le dernier point sur le sera chargé et poursuivre votre progression. D'accord. Attends, comment je fais pour rejoindre les copains? Matchmaking. Partie rapide. Attention, seules les quêtes, blablabla. Rejoindre un autre joueur. Ah, t'as hébergé une partie ou Non, rien pour l'instant. Alors attends, je suis avec le joueur 2-2, 4-4, 5-5, je sais pas quoi. C'est débile de démarrer une partie en pleine action. Je devrais être peinard dans mon. Ah, c'est un joueur lambda. 2-5-5, machin. Tu veux qu'on rejoigne un mec lambda ou Je sais pas du tout. Attends, c'est bizarre. Invité à la partie. Reprendre. Normalement, je t'ai invité avec un loustic qui est fou furieux, mais bon. Ça reste un jeu. Espace continué. Je devrais peut-être pas Ebi. tarder à arriver. Vieille ville, c'est ça ton truc? Attends, non, ça c'est le vendeur. Alors là, je suis dans un appart de vente. Ah, tu essayes de te connecter, me dit le jeu. Tu as une scène Twitch, essaye de se connecter. Putain, il y a du vent dehors. Dans le jeu, hein, je parle. À la fenêtre, ça se Alors, je connais coupe. pas la carte, hein, donc je sais pas où faudra que je te rejoigne quelque part, j'en sais rien. Moi-même, il faudrait que je vois où t'es dans le. Ah, je vois une flèche. Donc, pour toi, t'es dans le monde virtuel, là. Ah, je sais pas, c'est tout noir. Bon, c'est déjà quelque chose. Oserais-je dire mieux que rien? Oh, je vois une flèche. Je crois que je t'ai localisé, Tunsen. Ah, je te vois. Enfin, je crois. À moins que ce soit. Merde. Je me suis. De toute Oh façon, là, je vais me casser la c'est figure de toujours tout 12 noir pour étages. moi de mon côté. Hein. Attends, je vois un mec qui court. Ben, je crois rien du tout, moi. Qui c'est que je vois? Ah, c'est l'autre maboule. D'accord. Non, t'as pas pu te connecter. Il me dit que le jeu me dit que t'as pas pu te connecter. Pourquoi, je sais pas. Attends, je vais essayer. Ouais, retente ta chance. Bon, moi, faut que je me mette à l'abri là parce que. Oh, c'est beau. Qu'est-ce que ce jeu est beau. C'est incroyable.
tu peux pas nous avoir. J'en reviens pas. Je suis parti pour continuer. Bon, bah, on est parti là. Les statues. Je veux faire du cheval. On va faire du cheval. En mode normal, si vous voulez cette partie, vous écoutez les textes actuels. Ah, tuyau. Ouais. Non. Oh merde. La voiture piégée. On va rigoler. Bah, je peux pas. Je retente. Oui, je t'en prie. Merde. Vieille ville. Ah. Essaye de te... Ouais, il dit que t'es en train d'essayer. Toujours tout noir. Oui, après, a priori, il veut pas. Bizarre. Alors, c'est peut-être parce que je suis dans la deuxième partie du monde et que tu l'as pas déverrouillé, donc t'as pas le droit d'y accéder, peut-être. Je sais pas. C'est pas à exclure. Mais moi, il faut que je retourne dans un appart et dire... Non, mais je veux pas créer compétition, moi. Je retourne dans un appart et que je demande à revenir dans la zone initiale du jeu. Des débutants, là. Pour la première partie. Oh, c'est fou. Oh, ce jeu est tellement fou. Oh là là, c'est incroyable. C'est quoi le truc bleu qui clignote, là? Le truc bleu. Ah, il veut pas, hein. Ah, ce meurtre, c'est terrible. Il est tranché en deux. Je sais un truc. Ah, je suis bien, là, moi. Eh bien... Oh! Il y a de ces animations de zombies qui se... Oh mon dieu, cet incendie. Cette chaîne de carreaux. Ah, retourne. La 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 la. Oui, tiens, dragon, t'as... Ah non, dragon, il n'a pas rejoué au jeu de cartes. Non, en fait, il y a une scène qui essaie de me rejoindre pour jouer à ça, à Dying Light. Donc on a déjà réussi à se retrouver sous Epic Games, ce qui est déjà un exploit. Et maintenant, il y a une scène qui peine à rejoindre le jeu. Je sais pas, il y a son ordi qui veut pas, c'est bizarre. Non, c'est pas l'ordi, là. C'est autre chose, je sais pas si c'est... Oh. Voilà, le joueur Tunsen Twitch essaie de se connecter. Bah, je sais pas. T'as fait l'introduction du jeu ou pas, comme dit Torota? Bah ouais, mais là, j'ai quasiment retiré ma partie au cas où. Je sais pas. Et dans la partie que t'es en train de faire, toi, dans ta carrière solo, Tunsen, t'étais encore dans la première partie de la ville ou dans la deuxième, comme moi, qui est plus colorée? Je m'étais arrêté à la fête des mères. Ah, avec Gazi et les boîtes de chocolat? Oui. Oh là là, c'est quasiment le tout début. Bon, d'accord, oui. Donc tu vas dans la bonne zone. Ça veut tout dire. Oh, mon jeu qui commence à ramer. Oh mon dieu. Et là, c'est toujours tout noir. Ouais, je pense que j'ai trouvé le souci. C'est-à-dire que t'es dans la première partie de la ville et moi dans la deuxième. Là, donc pas ça va jouer, pas. Quoi. Il faut que je retourne dans la première partie de la ville, mais je sais plus comment on fait. Il faut... Alors attends, ne tente plus rien, tu une scène. C'est à moi de revenir dans la... Ah! Mais c'est quoi ce zouk? Oh là là, il y a un trou. Il faut que je retourne dans un appart et que je demande à me téléporter dans la première partie de la ville. Je sais plus comment on procède. Bon, je serais bien de me mettre au perché là parce qu'avec les zombies, je vais me faire patater. Waouh, mais comment que ça rame? Ça fait peur. Alors que je viens de voir un zombie se suicider. Ça vient pas de toi, dit Torota. Ah bon? Ah, vous avez terminé le point dans mon... Oui, mais quand tu fais Gazi avec la boîte de chocolat, t'as déverrouillé la coopération, non? Ah oui, là, j'ai eu un message comme il disait que c'était déverrouillé. Ah, bon.
Non, mais je pense que c'est moi qui suis pas au bon endroit pour pouvoir. Et si toi tu me rejoins du coup? Ah, c'est envisageable en effet. C'est envisageable. Il faut baisser un peu des graphismes. Non, bah il faudrait que tu m'invites en fait. Non, mais si tu cliques sur mon pseudo et tu fais rejoindre. Bah je peux pas. J'ai invité à la partie, c'est tout. Je peux t'inviter, mais je peux pas te rejoindre. C'est bizarre ça. Ouais, parce que la partie est en cours, je pense que c'est ça. Donc je vais sortir de la session. Alors que je me fais violenter. Je sors de la session et j'attends que... Quoi? Bah, attends, ah, je suis en solo. Alors vas-y, invite-moi. Attends, je suis en train de charger ma vieille ville. Oh là là, attends. Eh oui, j'en étais là. Eh oui, la Miss qui s'était faite... Scorpio qui s'était fait kidnapper par Rice et ses hommes. Donc là, je t'ai fait une demande, normalement. Vous avez reçu l'invitation de Twitch, Twitch. Merde, j'ai jeté mon arme. Con, mais non, arrête. Invitation en attente. Accepté. Vous tentez de rejoindre une partie sécurisée par VAC. Voulez-vous activer le VAC? Ouais. Vous jouez dans la même zone de la partie que vous essayez de rejoindre. Sélectionnez oui. Oui, oui, c'est juste d'accord. Sur les 4 qui... Oui, d'accord. Magnifique. On y croit. On va y arriver. Courage. Oui, sinon, Torota, je me tourne vers toi. Torota, t'es intéressé en fin de journée que je revienne sur du Lego et puis... Enfin, le Lego que tu m'as offert, l'Atari. Et puis on papote en vocale ouverte, ça te plairait, Torota? Parce que je pourrais m'amuser à faire ça, Pénard Pépouze, après une bonne heure de jeu avec Tunsen. Si ce n'est plus, d'ailleurs d'une heure, enfin on verra, c'est toi qui me diras Tunsen. Quitte d'ailleurs ce que je fasse la soirée en Lego, d'ailleurs on verra. Mais ouais, on peut faire comme ça. Si ça te dit, Torota. Le pauvre, il a dû partir se rafraîchir, il m'a pas entendu. Vous jouez seul, pourquoi? What? Bah, il m'a claqué la porte au nez, le jeu. Ouais, bah comme moi, c'est bizarre. Oui, c'est très bizarre. Si tu veux faire le Lego avec plaisir, mais moi venir en vocal, je vais vite souffler. Ah oui. Mais oui, l'idée de me voir faire du Lego, oui, ça te plaît, Torota. Eh ben, on fera ça. Quoi? Mais je suis revenu en enfer. Mais ce jeu est fou. Ah, par contre, je vais pouvoir revenir à la première partie de la zone. Ça, c'est intéressant. La tour de Bracken. On va peut-être décongestionner les choses. Il connaissait le musée dont Rice parlait. C'était une forteresse au départ et Rice en avait fait... Ah, selon l'heure, je viendrai en vocal, dit EJ. Ok, c'est cool. C'est cool, Raoul. C'est cool, c'est cool. Voilà, la bande Elred, oh mon dieu. Voilà, je suis de retour dans la première zone de la ville, là où il y a Gazi et sa boîte de chocolat. Moi, je suis dans une sorte de ville avec des voitures. Mm-hmm. Je pense qu'on a dû, on a dû inverser les places. Mm-hmm. C'est fou, ça. Partie rapide, non. Mais je peux pas imposer mon truc, trouver des parties. Attends, est-ce que je te vois? Classé par mise en relation, oui, je veux bien. What? Attends, par progression de l'histoire, par mise en relation, par nombre de joueurs, par ping, par nom de la carte, par nom de la quête, par nom du joueur, oui plutôt. Alors nom du joueur, Tunsen Twitch, il est où? Oh mon dieu! Bah merde, je te vois pas hébergé. T'es sûr que t'es en train d'héberger ta partie, Tunsen?
Je sais pas, moi j'ai déjà. Je te vois pas. J'ai un mec avec moi. Oh! Bah. Pourquoi je te vois pas dans la liste? C'est quoi le délire? C'est quoi le nom de ton coéquipier de jeu? Oh là là, c'est un chiffre. Bah oui, mais j'en ai plusieurs, moi, des valeurs de nom de joueur. Alors j'ai 23, 12, que 65, 53, 60, 53, 63. 23, 12. 23, 12. Ah, t'es au musée en vieille ville. Ok, je te rejoins. J'arrive. Donc 23, 12, 65, 53, 63. Oui, merci. Non, mais 23, 12, en fait, il n'y en a pas 50. Ah non. Bon. Donc là, j'ai vu Digixico essaye de se connecter. C'est bien moi. Un de mes nombreux pseudonymes. Oui, on va se retrouver, on y croit. Et le ping était pas trop mauvais, j'étais dans le vert. La 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 la, je crois qu'il n'y avait que 70 millisecondes de latence réseau. Donc le jeu devrait être beau. Je suis mort. La 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 la. Ah, une noble de la Loire. Pêchée par Olive Kitou. Touloutoutou. Vous jouez seul. Mais qui c'est que ce délire? Ah, j'ai le Digitico, il n'a pas pu se connecter. Ah, c'est bizarre comme jeu, ça, à plusieurs, ça. Mais oui, j'ai la même chose que toi, en fait. Il m'arrive la même chose. C'est quoi le délire? Vous avez... Je me tourne vers vos lumières dans le chat. Vous avez des témoignages comme quoi ça merde comme ça? C'est bizarre, parce que là, je viens de faire le lien entre Epic Games et Steam. On est tous deux sur PC. Ah, attends, t'as dit une chose. Dans la partie où vous êtes deux, il y aura d'autres joueurs qui risquent de vous rejoindre, à moins que une scène ait mis que les amis, car les joueurs peuvent donner des armes ultra puissantes. Ah, d'accord. Oui, ce qui peut déséquilibrer l'expérience de jeu, ouais, je conçois. Attends, tu as raison, Torota, dans les options de jeu, je vais regarder. J'ai dit ami uniquement, mais si je dis privé, ouais, c'est peut-être mieux. Ouais. La config de privé de tout à l'heure était finalement peut-être la plus appropriée. Donc, matchmaking, trouver des parties. T'es toujours avec ton 20, je sais plus combien, là. Non, je suis parti, le voiture. Ah, alors t'es chez qui, maintenant? Personne. Ah, mon dieu, j'ai des noms de joueurs, je m'interdis de les lire. La 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 la. Alors, qui fait quoi? Mais si je lance ma... Ouais, enfin, non. Parce que toi, ça te ferait plaisir, je pense, une scène que je te rejoigne dans ta partie. Ouais, mais je suis parti, là. Je suis parti de la partie. Alors, moi, ce que je te propose, charge ta partie solo avec la boîte de chocolat, là. Ah, sauf que je l'ai effacée et je suis parti à zéro, du coup. Ah oui, mais là, c'est... Excuse-moi, mais tu dois te retaper l'intro, ouais, avant d'avoir le... Sinon, en attendant, moi, je continue mon solo et puis tu me dis quand t'es prêt pour de la coop. Hein. Mon avis, on va faire comme ça. Hein. Ouais. Malheureusement, c'est bizarre que t'aies pris l'initiative de flinguer ta... J'ai dit au cas où, j'ai joué pas. C'est pas grave. De toute façon, j'étais pas bien loin, donc... Ouais, je sais, c'est les deux premières heures de jeu, mais bon. Olive Kitu qui dit de retour, pause douche, entretien avec ma longue queue de rat qui me sert de cheveux, je reviens. Oui, pas de soucis, je t'en prie, Olive, fais donc. Fais donc. Histoire 0%. Je vais essayer un truc, alors attends. Attends, essaye ça. Entrer au bidonville. Ou alors je peux errer dans le bidonville, faire 2-3 bricoles moins en solo. C'était une forteresse au départ et Rice en avait fait son plus gros avant-poste dans le secteur 0. En attendant que une scène soit prête à la coop. Soit blessé. Ou tué. Pardon.
peut-être une idée, tant. La 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 la. Il y a des choses. Non, je veux pas de ta faucille. Non. Des armes de guerre. Aïe. Je vais pas tâter du zombie. Violence. Ah, je me rue sur l'ennemi. Allez mourir. Mais... Je peux pas t'inviter, je peux pas t'inviter. Ah. Mais non, mais il faut que tu refasses une bonne partie de l'histoire de l'intro pour avoir accès au coffre. Faut que tu non, te... j'avais fait jouer une carte personnalisée là, les trucs voilà, puis non. Non, mais faut que tu te recoltines l'intro avec l'épreuve de la grue là, le début de parcours avec un K. Ah. Eh oui. Donc tant que t'as pas fini le parcours initiatique de la vue sur le toit du gratte-ciel, tu auras pas la coque de déverrouiller. Et encore, je crois que c'est un peu plus loin. Oui, on est tous les deux sur PC, Torota. Ouais. On est tous les deux sur PC. C'est un carnage qui va arriver. C'est quoi ce conglomérat de zombies, Digo? Ouais. Violence! Ma chaîne est 18+, je le rappelle. Violence! Attends, j'ai quelqu'un dans le dos là. Non, ah non. Voilà, il y a des zombies, je sais pas ce qu'ils font. Oula, elle s'est suicidée, la malheureuse. Aïe. Ah! Faut l'exciter là. Oh! Cette scène, mon dieu. Violence. Violence! Ce carnage, c'est horrible. Vous avez reçu l'invitation de tourner à Saint-Twitch. Alors, je finis Marix avec ces deux-là. Et j'arrive. Voilà, lui il est mort. Donc l'invitation de... Mais il y en a combien? Attends, je vais mettre à l'abri parce que je peux pas accepter ton avis, je vais me faire buter. À l'abri. Voilà, là je suis bien. Alors, invitation de toi en scène. L'invitation de toi en scène. Elle est où l'invitation de toi en scène? Il est là le toi en scène. J'accepte l'invitation de toi, Hansen. Montre-toi, toi, Hansen. Où es-tu, toi, Hansen? Allez-y. Mais oui, j'ai déjà fait cette partie d'histoire. Oh. Ah! Ah! Je vais t'aider, tu une scène. Je te suis. Hein? Bouh, c'est moi. Ah merde! Aïe! Oui, on dirait que t'as un t-shirt norvégien. Enfin, ah, drapeau. J'ai pas choisi. Hein. Oui. Tu as le drapeau norvégien. Il fallait pas aller à Skype. Yeah. Skip machine. Lalala. Putain, j'ai fouillé une boîte. Je me suis retourné. T'étais déjà disparu. Oh, ce ninja. Ah bah, je vais vite. Hein. Je vois ça. Monsieur Ninja, où est-il? Dans la zone où il faut arriver. Il est là-bas, monsieur Ninja. Oh, comment j'ai marché sur le zombie. Ah, j'arrive sur toi. Le mec est fou. À quoi il joue, lui? Ah, il aiguise sa lame. Putain, on voit le portrait du joueur dans la lame. C'est beau, quand même. D'autres joueurs vous attendent. Ils peuvent pas progresser quand vous n'avez pas rejoint. Non, mais ouais, faut venir dans le cabanon. Faut venir dans le cabanon. Dans le cabanon. Dans le cabanon. Ah bon? Ah ouais. Crane, je voulais te féliciter pour ce que tu as fait. Maintenant, si t'as besoin d'une lampe UV et une télécommande, si tu croises un rapace, tu lui bronzes la tronche. Ou tu l'entraînes dans un piège que tu déclenches avec la télécommande. Enfin, nous jouons ensemble, c'est beau. Faut les couper le courant. Yeah, ils ont pas payé la facture d'EDF. Ouais. C'est horrible. Allons-y. La 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 la. Aïe. Je m'en casse. Ah, blablabla. C'est quoi ce décor de fou? Aïe.
Zombie. Eh, hey, c'est sympa la coop. Ça donne des défis supplémentaires. Alors, il est parti là-bas, Twin. Je sais pas où faut aller, mais j'essaie d'y aller. Vas-y, je te suis. Ah, le Yamakaki. Tiens, on prend de la bombe. Un ninja. Ouais. Qui veut une livraison de butane? Qui? Tenez-vous, madame, vous avez gagné une bouteille de propane. Ah, j'ai perdu mon saut, au secours. Attendez. Ouf, voilà, comme ça. Où est-ce qu'il est parti? Ah, t'es là. Ici Crane. Au rapport. Je téléphone. Possible réunion avec le chef de la tour sous peu. Bien reçu. Ouais, mademoiselle, passe-moi ton 06. Attends. Hop. Ah bah non, je suis dans les pics, c'est pas la même touche. Oh, oh non. Faites équipe avec Brecken dans la tour. Oh là, je m'en souviens plus. Non, mais t'as tellement longtemps. Ah. On prend plus court. Tic-tic-di. Ouf. Tu t'es mangé le mur, avoue-le. La. Oh, c'est sympa. Sympa la coopération. Ouais. Il est au-dessus, Brecken. Tu prends l'ascenseur? Nous prenons l'ascenseur. On va pas s'en sortir. Yay! C'est stylé! On dirait que la mission de Brecken n'a rien de... Ah! Te retarde ici, je télécharge le jeu, je peux vous rejoindre. Mais ce sera pas aujourd'hui. Ah oui, ce sera rigolo. C'est rigolo qu'on se fasse du multi entre copains dans le jeu là. Parce qu'il est beau, il est magnifique ce jeu. Très sanglant, mais il est beau. Ah, elle est trop mimi, elle. Brecken et ses traceurs sont partis chercher une livraison la nuit dernière. Tous les autres ont été attrapés par les mordeurs. Et les hommes de Rice ont piégé Brecken, l'ont tabassé et lui ont volé ce qu'il avait récupéré. Il veut aller lui-même chercher la prochaine livraison. C'est hors de question. Et j'ai besoin que tu me soutiennes. Compris? Compris. Tu te sens à peine debout. C'est vivant qu'on a besoin de toi. Mais... Ouais, il y a de la recherche dans sa coiffure. On y va. Je sais pas, elle essaie de faire des gros stats, je sais pas quoi. Mais c'est... Non, c'est vraiment stylé, j'aime bien. Léna? Peut-être qu'il vous écoutera, vous. Faut qu'elle prenne une douche, elle est sale. Salut, Jeanne. C'est qui, ton ami? Ah, t'es en retard. Heureusement qu'il n'y a pas l'odeur, hein. Il faut surtout oui, ce que je disais dans je sais plus quel jeu tout à l'heure. Ouais. On va trouver un autre moyen, sans risquer ta peau. Bah dans Arc Fatalis, ouais. C'est bon. Imagine un jeu de rallye, par exemple, avec les pneus, la boue, tout ça. Oh, ça encore, ça va. Non, mais certains jeux où t'as ta classique dès le début, tu commences dans les égouts. T'as beaucoup de jeux, tu démarres dans les eaux putrides. Alors là, t'as envie de vomir dès le début, quoi. Dès le tuto, tu... Il sera au bon endroit. Elena a raison. Tu dois rester ici pour veiller sur la tour, pour les convaincre que le monde n'est pas encore fichu. Mais qu'est-ce qu'elle a dans le dos, la miss? Il est bizarre son sac à dos. Peut-être un essai avant d'aller voir Rice. Bon, ok, entendu. Et là, tu lui fais un doigt. Bonne chance, Craig. Eh oh, on ne demande pas où il est le doigt. C'est ça, le mec, il est nul en relations sociales, c'est. Rends-toi au chaudron, sociopathe. Très vite. Ah, c'est une sorte de sac à dos. C'est une sorte de sac à dos. Oui, mais il est trop bizarre son sac à dos à Scorpio. Ah ouais, bah c'est bizarre. On dirait qu'elle l'a enrubané dans des trucs de bandage de soins. Et moi, je n'ai plus de l'Oratrax. Plus personne doit en avoir. Oula. Sa mère était épileptique. S'il ne l'a pas fait, je ne sais pas où nous pourrons en trouver ailleurs. Oh mon dieu. Ah, qu'est-ce qu'il y a, Torota? Non, j'ai pas fini le jeu, Torota. Non, j'ai pas fini le jeu. J'avais fait une pause Je récupère Fête des Mers, trouver l'endroit où habite Gazi. Oui, vas-y, je te suis pour Gazi. Je te suis à la trace, vas-y, c'est toi qui joue. Et je suis en soutien. Non, j'étais loin d'avoir fini le jeu, Torota. J'avais fait une pause avec l'extension, le raid de la mort, là, des enfers, Elred, la borne d'arcade. Mais avant, j'étais fraîchement arrivé dans la deuxième partie de la ville. En vieille vie, oui et non, j'avais pas mal avancé quand même. J'avais fait les 7 zones de quarantaine, je crois qu'elles sont 7.
Et j'en étais arrivé au kidnapping de Scorpio. Scorpio s'était fait kidnapper par les hommes de Rice. Oui, c'est déjà barré. Oh la vache, il va trop vite, tu ne sais, mais il est fou. Ah, bah, c'est nouveau PC, hein. Wouah! Alors, je crois que je suis sorti en trombe de l'immeuble. J'ai sauté sur tes épaules et ta tête. Et je me suis propulsé par-dessus les escaliers. Je me suis viandé en contrebas, je te dis pas. Je me suis retrouvé à quatre pattes. C'était indécent. Non, je m'étais arrêté donc à la quête pour te répondre ton retard, à la quête de Scorpio, donc justement la belle jeune femme là qu'on a vue, qui est certes sale mais jolie. Elle était kidnappée par Rice et ses hommes, et je suis pas allé au-delà de l'histoire. Merde. Mais honnêtement, moi je serais prêt à recommencer à suivre Twin Sen, parce que en coop c'est tellement génial. Ouf. C'est génial. Moi, tu vois, j'ai l'impression de vivre en tant qu'acteur et plus spectateur l'époque où j'avais découvert le jeu avec Bob et Fanta. Bob Lennon et The Fantasy 974, quand ils le faisaient, j'adorais les regarder. Et j'ai l'impression d'être passé du spectateur à l'acteur, donc c'est vachement enivrant, c'est génial, j'adore. Je suis ravi d'être avec une scène aujourd'hui, dont j'ai perdu déjà la trace. Ah non, il est là. Il y a une carte, hein, t'es le... Je suis le bleu. Tu es monsieur triangle bleu. Triangle bleu. Je te cours après autant que je peux. Arrête-toi. Il y a du monde en bas, je crois. On y va. Aïe. Oh, tu me craques. Allez mourir. Voilà. Oh, ce cocher de soleil. Il est parti là-bas. Il est parti où? Il est parti là. Prendre la hauteur. Ah, oui, mais comment... Oh, attention, t'as un agresseur. Tu avais un agresseur. Alors, c'était où qu'il fallait aller? Par là. Oh, le village de l'île. Ashkarkapak, mon dieu. Il a projeté un truc sur le Discord. Oui, tu veux faire quoi? Je vais sortir de là parce que c'est pas la bonne route. D'accord. Oh, ils sont terribles. Hein. Allez, va mourir, toi. C'est quoi cette épée là que t'as là dans les mains là? Je me la suis rafistolée avec un effet pile. Et une bonbonne de parfum qui crame. Donc, ou du désodorisant. Tu rafistoles ça à un certain niveau et ça fait du café. Voilà. Ta-ra-ta-ra-ra. Par là, faut que j'aille en hauteur. Ah merde. Oh. Faut prendre le dunage, je crois, je sais plus. T'as envie de faire de l'escalade à main nue? C'est dangereux. Wesh. Aïe, le vilain zombie barbarie. Oh là là, on voit rien. Mon dieu, ce tunnel très sombre. Oh, vilain zombie, je t'ai vu dans la nuit. Le zombie de la nuit. Merde, mon arme est pétée. Con. Mon arme est pétée. Bah alors, monsieur, ça va pas, non? Oh, ce jeu, j'adore. Coucou! Oh, le bordel. Allez, la. Oui, regardez les pétards, ils sont jolis. Moi, ça me permet de vous décapiter, peinard. Merci, au revoir, à la prochaine. Allez, hop, il est où, tu le sais? Il est parti là-bas. Il est parti là-bas. Aïe, ça fait mal. Tu vois, Gazi? Ah, Gazi. Gazi Gazo! Ah! Oh le voilà! Oui. Comme chef, c'est la bonne chose. Personne n'est content. Alors vaut mieux faire plaisir à maman. Sacré Daisy. Moi aussi, on a le même nom. Tu viens du vidéo club? Je m'appelle Crane. Crane? Crane? Ça rime avec chaîne, traîne, graine, chaîne, traîne, graine, peine. C'est un drôle de nom. Est-ce que je peux entrer? Non. Non,
c'est impossible. Impossible. C'est mon jour spécial avec maman. La fête des mères, c'est le jour le plus important du monde entier. Est-ce que tu viens du vidéoclub ? Pourquoi tu me demandes toujours ça ? Tu dois m'apporter mon film, sur moi. Ça s'appelle Charlie. Et ça parle que de moi, et de mon intelligence. Gazi, si je t'apporte ton film, est-ce que tu me laisseras entrer ? Bien sûr. Tu pourrais le regarder avec nous. C'est la fête des mères. Si maman est pas contente, ah, personne... Non, non, la fête des pères aujourd'hui. Et elle veut aussi des chocolats. Maman veut des chocolats. À la quête non, des non, chocolats. Attends un peu, ça fait beaucoup. Discute pas avec Gazi. Ça marche pas. C'est ce que disent les gens du magasin. Lui, il est louche, hein. Je crois qu'il n'y a pas de mère, je crois. Tu vas voir. Mais j'adore ce perso. Je trouve que c'est génial qu'il l'ait intégré au scénario. Alors, du coup, c'est quoi ? C'est on doit tous aller au même endroit chercher les chocolats et la cassette ou chacun prend un truc ? C'est toi le chef. C'est toi qui décides. On se sépare ou je me joins à toi ? Quand on peut essayer de se séparer pour essayer ? On se sépare, tu fais quoi ? Chocolat ou la cassette ? Je prends celui-là de droite. Celui de droite, ok. Ouais, c'est bien. Ok, je vais à gauche. Donc ça va être le chocolat, je pense. Enfin, je verrai bien quand je vais... Ah, les voitures piégées, t'adores ça, à vous. Aïe. Moi, j'ai tranché la question. Alors, t'es avec ? Oh, ce meurt ! Oh, cette exécution ! En pleine poitrine. De la violence. Allez, venez mourir, vous. Vous devez mourir. Ah, la cabine téléphonique. Bip. Pipin-pin. Il court comme un fou, il court comme un dératé. Moi, je prenais des photos, moi, dans ma partie. Allez, où on se sépare. Tu fais celui de droite, je fais celui de gauche. Yo, aïe, oui, j'ai loupé mon saut. Oh, une boîte. Oh, je suis encastré dans le décor, quelle horreur. Ah oui, là, je suis dans les mouises. Au secours. C'est quoi la boîte? Une scie circulaire. Une scie circulaire. Ah bah non, c'était par là, attends. Voilà pourquoi je vais trouver un moi. Alors. Donc toi, t'as les chocolats, moi j'ai la cassette, hein, je te le dis. Je crois que j'y suis là, mais ouais. Ouais. Attends. Merde, c'est verrouillé, évidemment. Non, c'est par le dessus. J'ai un peu plein de bonhommes en bas de chez moi là. Ah, tiens leur compagnie, je sais pas, ou alors trouve leur un autre centre d'intérêt. Tu peux faire des diversions. Tu peux faire des... Comment rentrer dans le vidéoclub déjà, je sais plus. Fallait soulever la porte du garage ou fallait passer par les égouts? Je sais plus. Non, c'est barricadé ça. C'est du solide. C'est... Ah, c'est une porte latérale, attendez voir. Non, 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 non. Non, 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 non. Ah bah non. Je suis crevé. Ah bon? Oh. Ah, monsieur l'agent. Il a perdu la tête, monsieur l'agent. Ah, retourne où, moi, du coup, là? Bah merde, comment je sais plus comment je faisais le vidéoclub. Comment on rentre dedans? J'ai souvenir à un moment que je défonçais une porte de garage. Mais alors après... Non. Waouh, la mémoire me revient pas. Oui, c'est relativement calme là où je suis. Enfin, faut dire aussi je les massacre vu mon niveau, mais c'est rigolo. Vilain monsieur, va mourir. Bizarre. Pardon. Non, je peux pas passer par là. Je suis pas assez fin pour passer par la petite fenêtre. Non, non, il n'y a rien latéralement. Le toit. Le toit est intègre. Le toit est intègre. Oh, je sais plus, le vidéoclub, merde. Faut pas faire péter l'explosif quand même. Enfin, je pense pas.
Là, j'ai un baril d'explosif, mais ça va me servir à rien. C'est pas... Ça n'a pas de sens. C'est vrai qu'à un moment, je faisais face à des volets en bois, mais faut pas que je les pète, les volets en bois, si. Il y a la porte derrière. Je pense pas qu'on puisse passer par le... Là, est-ce qu'il y a... Non, il n'y a rien au plafond. Donc c'est pas en hauteur. Je vois pas du truc au niveau du plafond. Là, il y a bien une porte. Oui, bon, tu parles fouiller le truc du téléphone. J'ai pas l'air débile. Non, sérieux, je comprends pas. Là. Non, c'est trop solide. Ouais, bizarre. Non, ça n'a pas de sens. Soyons logiques. Ah, mais c'est une porte, ça. Ah, faut la crocheter. J'ai même pas vu que c'était une porte. Mais je suis un idiot. Moi, je crois que c'était un mur, vous voyez. Bon, tu t'en sors, une scène? Bah, j'ai des zombies dans un bus, là. Oui, t'as l'air éprouvé. Je vois ta barre de vie, t'es plus qu'à un quart. Bordel de merde, pas maintenant. Charlie, la lettre C. C'est quoi les touches du kit? Ça? Je l'ai. Hein? Voilà, je peux débrouiller le bordel. Au moins là, je peux passer. Allez hop. La. Aïe. J'ai le chocolat. Moi j'ai la vidéo. J'ai la cassette. Bon, on se retrouve chez Gazi. Ouais. Attends, je vais prendre un peu de café là. Du coffee. Merde, zone de quarantaine. Ah bon, à ce point? Ah! Oh, des barbelés, ouille. Non, je suis trompé de... C'est pas bien. Ouais, mais c'est pas par là, tu te sèmes. Mais si, c'est par là. Mais c'est un grand mur de quarantaine. Tu peux pas passer le mur de quarantaine. Ah merde! Oh, t'es mort comme un caca. Pourquoi? Bah ouais. J'ai pas compris. Ah, moi aussi. On est tombé dans un piège. Je t'ai vu tomber, mais alors, poum! Comme une pierre. Ah, il y a un survivant à sauver là. Oh. Le point bleu, c'est un survivant à sauver. I will survive. Ah, mais attends, je suis à poil, j'ai plus de. C'est la guerre! C'est en l'air! Merci, j'ai cru que j'allais y rester. Ah merde, c'est. C'est le mec qui a sauvé, je crois que c'est un zombie, lui, je tire dessus. Ouais. Ah, j'ai des flèches. Oh, j'ai une machette. Oh, je suis un homme dangereux. La. Oh yeah. Surtout tiens mieux au jeu. Alors il fallait faire l'autre côté aussi. Mais bon, je peux gérer. Il est mort. Bonjour toi.
Je crois qu'il voulait un autographe, le monsieur. Oula. Oula, mais t'as quoi comme arme? Moi j'ai une clamolette pourrie là. Oui, je sais, mais on n'a pas le même niveau, mon pauvre Tunsen. Ah bah oui, hein. Donc du coup, quand ils me croisent, eux, ils tombent à la renverse. Comme ça. J'ai perdu la tête. Oh là, et oh, l'autre essaie de me frapper, vilain. Hein, madame? Oh, c'est horrible. Ce jeu est abject. Ce carnage. Oula. Bon, suivons une scène. Allez, zombie. Voilà, il y a un malabar. Ah. J'arrive. Tu sais, c'est les messieurs orange. Ah, avec la grosse masse. Ouais. Wow. Il est en bas du buste. Coucou. Voilà, ça détourne en attention, je tranche les têtes et tu pourras descendre. Éliminer le malabar. Oh, il est chiant. Tiens, t'aimes les pétards, monsieur Malabar? Ça t'excite, hein? Il est fâché, le monsieur. Il est fâché! Il est fâché! Il est mort! Et tous les autres! Ah! On m'a fait un bisou, la cochonne. Ah! Un bisou dans le cou! Ah, c'est toi. Fais-toi plaisir, ramasse, fais ta récolte. Moi, je tranche. J'ai tranché la question, monsieur le politique. Alors, le malabar, quand je l'ai eu à main nue. Hein. Oh, respect. Bravo. J'avais plus rien. Tout était cassé. Bravo. Non, mais c'est la classe. Dit Olive. Pidu. Elle a perdu à la pêche, Olive. Je sais pas si j'ai tout pris, mais... Non, t'as pas tout pris. Ou alors, c'est pour moi. Ah oui, attends. Il y a peut-être un partage des gains, peut-être. Excuse-moi, mais j'ai pas mal de dépouilles qui ont pas été fouillées, d'après moi. Franchement, je l'ai fait, là. Bon, bah d'accord. Ça veut dire que le jeu est généreux. On a chacun droit à... Bah, c'est bien. Je vais pouvoir te trucider du monde, et puis toi, tu vas pouvoir faire la récolte peinard. Ça va t'aider à confectionner des armes de qualité. Ah, un tronc de bouton à chaque fois. Ah, dommage. La 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 la. Allez, Twin Chen. Allez, Twin Chen. T'es où, Twin Chen? Je te vois déjà plus. Bah, chez Gabi, je sais pas comment dire. Oh, Gabi. Tu voulais pas passer la nuit. Attends, j'arrive. Merde, je fais des bêtises. Excuse-moi. Frapper sur la camionnette. La camionnette. Ah, camionnette. Non, je fais n'importe quoi. Je suis surexcité, je m'amuse à sauter n'importe où. Oui, tu es là. Non, tu peux pas monter là. Tu peux pas monter là. Oui. Voilà ton film et tes chocolats. Tant que maman voit ça. Quasi. D'accord. Bon, je vais devoir passer par le toit. Là je m'étais arrêté. Gazi. Le canaillou de Gazi. Ah, je crois qu'il faut passer par le haut, je crois, ici maintenant pour lui apporter. C'est je crois. Ça. Et j'ai merdé mon escalade. Non mais par le haut, mais vraiment le haut avec les tuyaux, etc. Là, sous le pont en fait. Sous le pont. Ok, Loki. On va le faire. Comment on fait? Comme ça. Ah non. Ah, ce gadin. Oui, je me suis pété les jambes. Faut passer par le pont, en fait.
Ouais, la question est quelle partie du pont? Est-ce qu'il est pas petit? On peut pas monter sur ce... Non. Non. Okay. On va monter un droit, mais il veut pas. Non, mais je crois qu'il faut monter sur le pont et descendre. Ouais, je te donne raison. Oh là, va trouver le pont, toi. Oh, faut remonter toute la rue. Ouais. Eijiwa ! Sacré gazi. Il y a de l'humour, ce garçon. Il est chiant, celui-là. Hein. Yeah. Taratari-dada, bonjour. Bonjour. Oh, la vilaine. Bah alors. Oh, je vais changer d'arme. Exécution. Je suis sur la route là. Ah, déjà ? Bravo. Ouais. Bon, allez, je vais éviter de gâcher mes balles parce qu'elles sont pratiques quand même. Parce qu'en haut, il y a du monde. Hein. Enfin, il y aura du monde. Il y a du people. Merde, j'ai pas pris le même endroit. Alors, la route. Le pompon, la route. La 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 la. Presque. Est-ce que je peux guaquer le jeu ? Oui ! Je suis sur le pont, moi aussi. La 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 li la li la li la li la li. Ah, j'ai plus beaucoup d'explosifs. Faudra que je refasse des pétards. Des pétards. Ça défoule, vraiment. C'est horrible, mais ça défoule. Tuile, 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 tuile. Donne-moi le tuile, tuile. Alors, il est là-bas, le Tuntuin. Il est là-bas, le Tuntuin. Ah mince, elle m'a fait trébucher, la madame. Berk. Ah. Ah. Je me suis changé dégueulé. Allez, cherchez les pétards. Alors, où est-ce que t'es? Tu es dans le bus? Non. Ouais. Bah, qu'est-ce que tu fous? J'avais plus trop d'énergie, alors j'essaye de trouver des soins. Ah, je conçois. J'y conçois. Alors, par contre, Attends, il faut que je déverrouille la fourgonnette de la police, je crois. Ah, mais faut surtout passer au niveau du bus. Je crois que c'est le bus qui nous donne le chemin. Mmh. Le bus devant toi, là. Ah, d'accord. C'est sympa les fourgonnettes de police. Mais il faut réussir à les déverrouiller. Voilà. Comme ça. Oh, tu veux un pistolet mitrailleur? Bah, moi je suis déjà parti hein. Oh merde. Bon, je le prends pour toi. Je te l'offrirai. J'ai gagné un pistolet mitrailleur. Ah oui, je vois ça que t'es déjà parti. Oui. Oh vache. C'est où, Gazi? Gazi, ah là là là. Je connais pas, mais pas. Aïe. Oui, alors Gazi, il est où? Il est où le Gazi? T'as là, daddy, daddy. Oui, je te donne raison. Hop là. Où qu'il est le Gazi? Le gazi qui sème le gazon. Oh merde! Ah bah. Ça va? Pas eu trop mal? Vas-y. Mais attends, faut que je crochette. Vas-y, crochette. Je me souviens plus comment on fait. Et faut réviser ses classiques. Réviser ses classiques. Alors, effectivement. Mais il n'y a pas une trappe, tout bêtement. Mais si, c'est une trappe. Ah bah, je t'attends. En fait, c'est une trappe sur le toit. Ah, presque. Oui, reste zen. De toute façon, là, on est à l'abri. Là où on est, Gazi, il est bien installé. On y va, on va le voir. On va le voir. Salut, Gazi. On veut plus que des chocolats. Le film a commencé. Maman regarde.
Est-ce que maman est contente? Maman est très contente. Quasi lui a donné des chocolats et un film. Dans ce cas, je vais te prendre quelques médicaments pour aider mon ami. C'est un dingue, lui. D'accord. Mmh. Maman ne fait plus de crise depuis que sa tête s'est transformée en citrouille. Ils sont sur la table. Merci, Gazi. Gazi rend tout le monde content. Mais... Ah oui, Charlie. Charlie en DVD. Charlie et la chocolaterie. Cette image. Oui, mais t'es comment? Oui. Ah, c'est bon, je les ai trouvés. Bravo. Il faut apporter ça à Lena maintenant. Ouais, l'infirmière des survivants. T'as pris le haut, toi? T'as pris l'escalier? Ouais, ouais, je suis reparti par là où on était arrivé. C'est-à-dire le toit. Mais vas-y, je te suis. Tu te promènes où tu veux. Elle est où, elle? Ouais, faut retourner au gratte-ciel. La tour HLM. Aïe. Ah, t'es loupé. Le tunnel de mort. Qui que quoi de mort? Le tunnel, faut qu'on le prenne. Oui, on peut. La fête. Oups. J'y suis allé un peu fort. Oh le bordel. Non, c'est pas par là. Ah bon? Je crois que c'est quarantaine là. Mmh. Le pont il est barré, enfin je veux dire il est rayé. D'accord. Tu as sûrement raison. Après, faut prendre le chemin pour y aller quoi, je sais pas. Un peu d'escalade. Putain, mais comment qu'il est parti comme une balle, tu me sènes. Et c'est reparti pour un tour. Attention, ça va être le coup plus cool. Les raccourcis, on sait jamais. Ah oui, alors, tu parles d'un raccourci. Oh, j'adore eux. Et des mouches. Y'a des momouches. Y'a des momouches. Attends, il est où? Ah, il est là-bas. Moi je me fie au point orange hein. Ok, tu as raison. La 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 la. Faut retourner dans la HLM. Petit voyez modelé. Oula. Ah, une zone inactive. Tiens tiens. Oh, ce bassin d'égout dégueu. Oh non, retombe plus bien. La madame des égouts, ah mon dieu. Hop là. C'est une égouttière comme on dit, non? C'est pas ça? Ah oui alors. Oui, joli. Oh là là, extraordinaire. Puis la lance grappin comme dans Spider-Man.
Ah, je vais plus vite. Ah. C'est rigolo. Hey, on a gagné. Bon. La tour. Yeah. C'est rigolo. C'est rigolo. Pourquoi il y a plein de points d'exclamation sur la carte là C'est autant de personnes avec qui tu peux avoir des quêtes. Et les flèches qui bougent là? Les flèches blanches? Ça veut dire qu'ils sont à l'étage supérieur. Pa 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 la pa 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 la pa pa. Pipidi papi palouchi bidi 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 bou. Ah, dans les chambres. Tu as le chac, normalement, tu peux choisir ton matos. Puis si tu veux, je te donnerai un... Ah non, il n'y a pas le chac là, merde. Ah, c'est les chambres des troupes, mais pas la tienne. Ah. Comme par hasard, t'es à part. Parce que tu es le héros. Non, c'était pas là non plus, je me souviens, c'est pas cette pièce. C'est vrai, ah, je suis sur le toit. Ouais. Je suis sur le toit, là. Ouais, vas-y. Mais c'est pas. Attends, par là, à mon avis. Il y a le stick. Non, c'est pas sur le toit, non. Peut-être descendre d'un cran, je pense, non? Ah, ça m'a l'air bien sombre. Je me souvenais plus de cet appart. Mais non, c'est pas là. Enfin, je crois pas. Non, c'est pas là. Putain, j'avais oublié cet appart. Punaise. Il découvre des choses. Ouais, non, mais hein, ma mémoire est merveilleusement faillible, comme tu le sais. Et non, il y a plein de trucs que j'ai déjà oublié. Il est où l'appart de Crane? Non, ça c'est la réserve. C'est un quartier. Ah, je crois que c'est là. Oui, c'est là. J'ai trouvé. Redescends à l'étage de base. Reviens là où on est sorti de l'ascenseur, Tunsen. Reviens là où on était sorti de l'ascenseur, s'il te plaît. Tu vas voir. Oh, j'ai l'impression que t'as un étage trop bas. T'es un étage trop bas, tu une scène. T'es à l'étage je suis avec des malades. Oui, bah non, c'est pas... Si tu veux gérer ton matos, il faut que tu reviennes à ton sac à dos. Et c'était à l'appart, à la sortie de l'immeuble. De l'ascenseur, oui, je vois que t'arrives. Non, t'es encore en bas. Moi, je suis à l'étage du dessus par rapport à toi. Reprends l'escalier. À remonter. Reprends l'escalier, ouais. Voilà. Ouais. On voit très bien. Tu me vois, je suis... Oui, prends pas la grille. Voilà. Regarde, c'est l'appart là. C'est ici. Tu vas dans la chambre ici. Et là, t'as le sac pour gérer tes affaires. Dans la chambre, ah. Pas la cuisine. Wouhou. Ah bon. Mais qu'est-ce qu'il fait? Ah, la chambre, elle est là. T'es parti au WC. Ah oui, alors. Bon. Je sais même pas si je peux te donner des trucs que j'ai moi parce que t'as peut-être pas le niveau. Ah, je peux changer de tenue. Alors je suis en survivant. Oh, je peux m'habiller en... Oh, en verre à bois. C'est une tenue de bûcheron canadien. J'aime bien. Je vais faire mon bûcheron canadien, moi. Comment je fais pour donner une arme à un coéquipier? Déposer. Ah oui, mais déposer dans le sac. Attention, c'est pas pareil. Bouge pas. Inventaire. Ouais, je peux pas te déposer. Regarde, le pistolet mitrailleur, je peux pas te le donner. Ah si? Tu l'as? Tu peux le manipuler? T'as ouais. Le niveau? Vous êtes dans une zone sécurisée, donc en ayant, je peux pas le sortir d'ici. Ah bon? Non, tu dehors. Peux pas en faire usage. Mais tu oui. Peux en faire l'acquisition et le personnaliser. Ah, j'ai pris, pareil pour le bouclier, j'ai pris aussi le bouclier. Eh ben c'est bien, ça t'équipe au moins. Il bon, fallait trouver l'autre maintenant. Là. Attends, moi je regarde mes réserves de matos. Oui, j'avais plus beaucoup de pétards, moi, c'est dommage.
Oh, le bouclier, je m'en sers jamais. Pourtant, je sais faire des prises. Hein. J'ai appris avec l'expérience à faire des prises avec les boucliers. Mais je les fais jamais. Katana, machin. J'ai un fusil militaire. J'ai la batte des strikers d'Aran modifiée. Qui est d'une violence absolument inouïe. J'ai même le flingue de Rice. Carrément, son pistolet. Non, je vais garder le fusil de police désert. Il est bien. J'ai une arbalète. Ouais, mais faut faire des carreaux. Je sais pas si j'ai des carreaux. J'ai l'arc, j'ai l'arbalète. Oh, je suis un homme dangereux, tu ne sais. Tu le sais, ça. Mmh. Ouais, je vois ça. Alors, les pétards. Mmh. Mais c'est qu'un jeu. Hein. Oui, je sais. Bah, heureusement, quelle horreur. Il est fou. Bien fait. Ah, 30 pétards. 11 cocktails Molotov, 84 fusées de Zaïd, j'ai le grappin. Oh, c'est trop bien. C'est trop bien. 5 packs de réquisition. Oh là là, j'ai 50 kits de soins. C'est trop bien. On fait comment pour les trouver, kits de soins? Parce que je n'ai rien, moi. Attends, je sais pas. Alors, t'as peut-être pas le niveau pour les confectionner. Parce qu'il faut trouver des bandes de gaz et de l'alcool pour désinfecter. Et à partir de là, tu peux faire des kits de soins. Oh, ce bordel. Regardez-moi ce zouk. Pas décidé. Faut parler à Jawed. Hey, t'aurais une clé en rab pour la 202? Quel est le problème? Il se passe quelque chose là-dedans et la porte est verrouillée de l'intérieur. Une clé. Ouais, tu parles. Faut gérer des conflits de voisinage, tu une scène. C'est toi le médiateur, super. Vas-y. Non, m'en fous. Non, moi dans ma partie, je t'avouerai que j'ai fait toutes les quêtes secondaires. Le jeu, je l'adore. Il est énorme. Il est trop bien. C'est de pire en pire. On va pas s'en sortir. Elle est où l'autre là? Voilà, infirmière Joël, t'es où? On te cherche. La 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 la. Mais maman, t'avais dit que tu t'avais vu des malades, elle doit être proche des malades. Ah non, il y avait pas de point orange pourtant, mais. Comme c'est l'infirmière, à moins qu'elle soit rentrée dans son appart, dans sa salle de repos. Ou alors elle est dans un labo, dans un appart détaché, peut-être. On va pas s'en sortir. Non, mais elle doit être sur les hauteurs, là. Non, ça désigne l'ascenseur, faut remonter, j'allais dire Gazi. Tu une scène, faut qu'on remonte. Ah, mais après. Bah, il faut faire la causette à l'infirmière. Elle est où? Bah dans les étages, je sais plus, 17ème étage, là où on était en haut. Alors, où est l'infirmière, Joël? Pardon. Quartier, non. C'est fermé. Ah mais elle est derrière? Magasin. Pas forcément. Elle est peut-être passée dans un autre appart. Non, je peux pas qu'elle soit là. Parce que là, c'est les mecs qui font du bricolage. Ça, c'est notre appart. Donc, l'infirmière, elle est ailleurs. Question où? Le niveau d'escalier. Elle est en haut ou elle est en bas? T'es passé en bas? Non, t'es passé en haut. Donc, moi, je vais aller en bas. Tu fais l'étage du haut. Ouais, bah j'ai un malade, mais j'arrive pas. Sigbay. Ah, moi j'ai plein de malades. Ah, je l'ai trouvé. Ah. Il faut que t'ailles en bas, c'est l'étage inférieur. Je vais en profiter le temps que tu fasses le chemin d'aller aux toilettes. Voilà.
J'ai ton anti-épileptique. Ah, merci. Comment ça s'est passé avec Gazi? Il est peut-être un peu bizarre, mais c'est très bien. Elle avait l'air heureuse. D'autres joueurs vous attendent. Ah. Ouais, je suis à l'ascenseur. Ah, t'as déjà fini de faire la causette infirmière. Bravo, c'est bien. Alors, je te rejoins. L'ascenseur. Il faut que je monte à l'étage. L'ascenseur, il est là-bas. Dida, dida, didouda. Voilà. Ibi. Et là, faut retrouver Gray. Au Gray. Oh, Gray, je m'en souviens plus du tout. Autant Gazi, ça m'avait marqué avec la fête des mères, là, mais alors... Le cocktail Gray... au Gray. Ouais, ouais. Ah, le Gre, oui, l'organisation. Oh là là, mon dieu. Gros, ouais. Peut-être aller par là. What? Mais qu'est-ce qu'il a fait mon perso? Il s'est retourné cet idiot. C'est un peu haut là quand même, là où je suis là. Oui, c'est pas mal. C'est quoi un défi? Bah, ça dépend. Pas. Ah! Coup de parcours. Mais donc du coup tu fais quoi? T'es passé où? Ah t'es repassé là. J'arrive pas à comprendre où t'es passé. Ah tranquille. Pas mort le mec en l'air. Attends, t'es fixé en haut, c'est ça? Ah, tu es là. Oui, tu veux passer tout en haut, d'accord. Et ensuite. Ah voilà, fallait taper dessus. C'est rigolo. Ici Crane. Au rapport. Le boss de la tour s'appelle Brecken. Ce n'est pas votre homme. L'autre suspect probable est un seigneur de guerre, un gars du coin. Prénommé Rice. Il stocke de l'antisine et raquette ensuite à mort tous ceux qui veulent lui en acheter. Je vais en mission pour récupérer de l'antisine d'un parachutage. Si ça marche pas, ils vont trouver autre chose. Bien reçu. Beau travail, Crane. Continuez comme ça et laissez-nous le temps de planifier. Appelez-nous immédiatement quand vous aurez l'antisine. On perd du Amazon, là, faut livrer là. Alors, je te suis. Une livraison de colis.
Moi, ce que j'apprécie avec toi, c'est qu'au moins tu connais tous les bons tuyaux. Comme Guy. Ah, il y a un mec qui se fait tabasser là-bas. Oh, secteur X. C'est un moment que je peux pas quitter mon appartement. Ça me fait vraiment plaisir de vous voir. $111, c'est nul. Bah, c'est mieux que rien. Hein. J'ai réparé mon arme. Jade, j'approche de la zone de largage. Bien. Trouve un endroit sûr et attends. Ah, oh, je crois que j'étais dessus, moi. Oh, je suis deg. Et voilà la caisse. Elle a l'air intacte. Voyons voir ce qu'elle renferme. Ah oui. Tu dois apprendre à escalader, tu une scène. Eh, pourquoi on me tire dessus là? Ah bah c'est lui là. T'as besoin d'une diversion ou ça va? Je sais pas, attends, j'essaie de trouver un chemin pour... Ah, ça va les occuper un moment. Ah. Ah, il y en a qui pètent le feu, hein. Au premier degré. Au premier 100 degrés. Tiens, est-ce que j'arrive à tirer en snipe? Ah oui. Ouais, je te vois, mais j'arrive plus à grimper. Moi. C'est quoi ce bazar encore? Ouais, mais comme j'ai la chance d'avoir un niveau d'athlète voilà, supérieur au tien, vu qu'on n'a pas du tout le même niveau, c'est malheureux, mais ça fait toute la différence. Mais moi aussi, hein, t'inquiète pas, c'est normal, ça fait partie du jeu, j'avais galéré aussi. Ah, tu veux un appui, peut-être. Je te couvre, si tu veux, tant que je t'ai dans le viseur au niveau des toits.
peux te couvrir. Riche, hein. J'ai trouvé un autre chemin. Ouais, c'est bien. Tu vas arriver. Tu es condamné à réussir. Attends, je vais créer une autre diversion. Ah mmh. C'est pas bon chemin. C'est pas mal ce que tu fais. Ah, t'as un emmerdeur, ouais. Qu'est-ce qu'elle me fait là? Encore? Oh, ce saut. Oh, le gadin. Saloperie. J'espère ne pas finir comme ce pauvre gars. Mmh. Ouais, prends le temps d'observer, c'est une scène. Bien joué. Bien sûr, c'est vite. Livraison. Elles sont atterries ailleurs, malheureusement. Mais tu n'en es pas très loin. Atteins les caisses avant tout le monde. Oh, c'est nul. On peut chercher les caisses. Ils ont de l'humour. Oh, cet atterrissage, c'était digne d'une Némésis dans Resident Evil. Oh merde. J'avoue, là, je me suis loupé. Mmh. Ensuite, tu vas aller où? Je sais pas, j'essaie de... C'est toi qui joues, c'est toi qui joues. Ah, t'es marrant, toi, c'est toi qui joues. Moi, je suis qu'en appui. Faire un streak comme ça. Jade, et les hommes de rail sont arrivés avant moi. C'est la fête. C'est merveilleux. Oh, 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 ce dessin. Eh bien. Crane, la nuit va tomber. Il faut que tu vives. J'y suis presque. Je peux y arriver. Ah, tu es là. Mission toxique.
Merde. Bah oh, l'autre qui me refuse le saut. Oh, t'es dans la mouise ou c'est moi? Non, c'est moi. Oui, t'es mouru au pied de l'immeuble. Bah oui, j'ai raté mon saut. Quel dommage. Voilà, voilà, voilà. Bah, tu vas pas tarder à me rejoindre. Non, si j'arrive à trouver mon sort. Il commence à faire nuit en plus, hein, là là. Eh ouais, on va y avoir du grabuge. Et va y avoir du grabuge. Faudrait que j'essaie de m'en refaire des flèches explosives. Mince, non, 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 mais jette pas l'arc. Putain, je suis fou, moi, jette mon arc. Attends, pendant que tu me rejoins... Mais non, mais j'ai pas besoin de me soigner non plus. Oh, je sais plus jouer, au secours. Ah, voilà. Alors, plan. Oui, je peux fabriquer des flèches. Mmh. Oh, ce cri! Il y a un énorme monstre qui est apparu, là. Ouais, reste prudent, ouais. Ouvre grand les yeux. Mais plus gros que le mec orange, hein. Mmh. Ouais, 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 il y a de sacrés bestiaux. Kit de soins. Tiens, je me fabrique des kits de soins en t'entendant. Ouais, il faut de la gaz et de l'alcool. Ouais, c'est ça la recette. Mais faut-il encore que tu aies trouvé la recette? Oh, pire, je t'en donnerai. Si tu le souhaites. Alors, t'arrives pas à sauter, monsieur là? Carreau. Carreau étourdissant, carreau toxique. Carreau standard, carreau impact. Oh yeah. J'ai plus de place dans l'inventaire, ah merde. Ah, si je sélectionne ma... Là, je suis à côté de toi là. Je vois, vas-y, vas-y. Oui, tu veux quoi? Tu veux des... Je sais pas pour aller où. Ah, il faut trouver la caisse dans la zone là où on est en jaune. Est-ce que tu vois une caisse spéciale? Moi je t'avoue que je la vois pas non plus. C'est une grosse caisse? Je crois, ouais, de couleur orangée. Ah, puis là on est un peu haut pour descendre à mon avis là, donc Ah, attends, j'y vais. Alors, pourquoi je vois du vert là? Ah non, c'est un éclairage. Il y a rien d'apparent. Et là j'ai un parachute là où je suis là. Oui, bah va sur le parachute. Ouais, mais il y a rien autour, c'est bizarre. Ou alors ils sont déjà barrés avec le matos, ou alors la caisse s'est détachée du parachute, elle est tombée par écran. Ah, ça y est, je la vois. D'accord. Alors. Ah, on fait des rencontres. Bien vu, t'es un chef. Bravo, bravo. Il n'y en avait qu'une là, cet endroit, il n'y en avait pas plusieurs. Non, il n'y en avait qu'une. Parce que pourtant, tout à l'heure, l'avion en avait posé deux. Ici Crane, je suis sûr que la deuxième, quelqu'un s'est barré avec, je pense. Bien, Crane. Je pense que dès à présent, il est temps de vous intéresser à Rice. Écoutez-moi attentivement. Il y a de grandes chances que Rice soit notre homme. Alors si vous trouvez une livraison qui contient de l'antisine, détruisez-la. Quoi? Mais pourquoi? Pour provoquer une interaction avec Rice. Vous pourrez y aller au nom de Brecken, comme ambassadeur en quelque sorte. Mais des civils comptent sur ces flacons.
Nous travaillons pour le bien de tous. Ne l'oubliez pas. Cette logique. Jade, je suis au point de livraison. Il n'y a pas d'antizine. Rien ? Merde ! Bon, reviens ici. Et sois prudent. Les horreurs sont sorties, ne les laisse pas te voir. Merde ! Ils ont dû m'entendre. Ouais, du coup là. Se défendre. Ah super. Moi je me barre. Voilà, voilà, voilà. T'es bien. Et ils sont forts, mais c'est bien, t'essayes de fuir. Ah bah ils m'ont eu aussi, hein. Tu m'étonnes. Ah, ils sont redoutables. Hein. C'est les rapaces. En général, vaut mieux les éviter. Ouais, il faut les tuer normalement, ceux-là. Si tu peux. Ah, bon, là, c'est écrit retourner à tour, donc c'est bon. J'en ai pas beaucoup zigouillé des rapaces. J'en ai zigouillé peut-être 3-4, pas plus. Ils sont vraiment durs. Hein. Et puis là, il fait tout noir, on voit rien. C'est pas de lampe torche. C'est ça. Arte, c'est la nuit. Attends. Ouais, j'ai pas le droit de manipuler mes armes parce que je suis dans une zone sécurisée. T'es déjà là-bas, toi ? Non, pas du tout. Je suis en train d'entretenir mes armes. Ah où c'est le tour là? Oh là 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 là. Ah bah, il a laissé tomber lui. Merde, voilà, j'ai mis. Ah, allez, je suis arrivé à la tour. Je suis arrivé à la tour. Bravo. Ouf. Comme tu dis. Chique ouf, qui ouf, chique ouf, ouf, ouf. C'est quoi ça, jeu de nuit? Les jeux de nuit. Les jeux, j'ai interdit. Non, mais t'as le double des points de nuit parce qu'il y a la rapace, tu vois rien. C'est pire. C'est un défi en soi. C'est un défi en soi. Ah, tu m'avais suivi ? Mais oui, que je suis. Je suis rentré en un seul morceau. Je comprends maintenant ce qu'a dû ressentir Bricken. Enfin, je sais qu'on a besoin d'antizine, mais l'acheter à Raïs, t'es pas c'est sérieux. C'est bon, j'irai, moi. Il me fait pas peur. Pas question, on en a déjà parlé. On n'en a pas parlé. Tu as décidé tout seul. J'irai. Moi, Mais tu plaisantes. Ce type-là, Raïs, il m'a encore jamais vu. J'ai pas d'ardoise, non? S'il vous plaît, pouvez nous laisser, Crane et moi.
T'es sûr d'être prêt pour ça? Faut bien que quelqu'un le fasse, non? Je vais pas argumenter. Rice vit par là-bas. Contente-toi de voir ce que ça nous coûtera. Et reviens en entier. Bon, allez, ah oui, j'ai pas vu acheter. Ah, ouais. Ah, je te suis à la trace. Ascenseur, ascenseur, ascenseur. Brecken est maintenant tellement désespéré qu'il est prêt à pactiser avec le diable lui-même, Rice. Et comme je dois découvrir si ce Rice est sûr. Crane, tu m'entends? Jade? Ouais, je te reçois. Il y a un problème? Non, non, c'est pas lui. Écoute, Crane, ce que tu fais est très courageux. Je sais que c'est pour te racheter. Parce qu'Amir est mort en te sauvant la vie. C'est le seul moyen. Si Rice nous donne pas d'antisine, les gens vont mourir, non? J'ai rencontré Amir après l'infection. Je le connaissais pas bien, mais... c'est l'homme le plus honnête que j'ai jamais connu. Mais je veux juste que tu saches que je ne t'en veux pas. Amir connaissait les risques. On est obligé d'aller de nuit? Non, on est pas obligé d'aller de nuit. C'est chaud pour quelque chose, hein. Faut retourner dans l'appart et aller dans le plumard pour faire passer la nuit. Reviens en un seul morceau, Crane. Attends, je sais déjà plus où est l'ascenseur. Ah bah il est là. Oui, Torota, tu peux nous rejoindre. Viens, viens, viens. Brecken est maintenant tellement désespéré qu'il est prêt à pactiser avec le diable lui-même. Tu dis quand t'es prêt, Torota, que je t'invite. Je te lancerai l'invitation une fois que t'es dans le jeu, Torota. Voilà, je suis perdu moi encore là. Oh là 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 là. Ah bah tu une scène. Ouais, attends, je sais pas si je peux pas t'inviter moi. Attends voir. Torota. Invité. Voilà. Cet homme est mystérieux. Twitch and Twitch. Que fais-tu? Allô ma chambre. Allô ma chambre. Bon, je dois partir d'ici. Emmener ma femme et mon fils en lieu sûr. Moi je dirais que le seul endroit sûr, c'est ici. Dans le bidonville peut-être, mais le bidonville n'est pas sûr. C'est pas un endroit pour ma famille. Et j'ai trouvé comment en sortir. Du bidonville? Je peux pas te donner les détails. Mais je dois traverser la ville. Et je peux pas le faire sans un flingue. Si tu m'en trouves un... je te parlerai d'un endroit qui n'a pas encore été pillé. Je te promets que tu le regretteras pas. Comment tu sais que cet endroit n'a pas été pillé? Parce qu'il n'y a qu'une personne. Apporte-moi un flingue et t'auras la clé. Et tout ce que tu pourras y trouver. On est pas obligé de la perdre sa mission à lui là. Ouais, m'en fous moi. Je vais dormir moi. Allez où ma chambre? Mm-hmm.
si on est 650, je vais devenir fou. Je vais devenir fou. C'est au rez-de-chaussée les chambres ou pas, non? Non. Faut pas reprendre l'ascenseur. C'est ici. Non, c'est pas ici. Merde. Attends. On sort de l'ascenseur. Merde, il est où son appart? Tu me suis, Tunsen? Attends, j'étais parti. T'es où là? Toota! Yutowa Toota! Iwo Toota! Il est où Toota? Il est près de moi. Ah, il est là! Non, Sick Bay, c'est pas ça. Il faut qu'il vienne en vocal du coup, sinon on va pas pouvoir le. Ouais, on se met en vocal commune. Allez. Rajoute-le. Oh oui, alors. Qu'on retrouve Toota en vocal. Il est où mon Discord? C'est le Bauderle. Alors, bah on va sur mon direct Twitch, c'est très bien. Si je le retrouve. C'est là, je viens de pas retrouver mon propre direct. Oh, un Toota. Bonjour Toota. C'est cool. Ouh. On t'attend. Quel beau. Alors, il faut que je vérifie. Je me souviens plus tout ce temps. Mon matos. J'avais tant que ça, je m'en souvenais. Oh la vache! Ah d'accord! Ah oui, j'ai. Ok. Moi j'avais. Pourquoi pas? 290 000 dollars. T'as combien en thunes? T'as 290 000? Attends. Re. 721 millions. Hein? Qu'est-ce qu'il raconte? Oui, 721 millions. T'as fait des paris, c'est pas possible. Et t'as tout gagné. Mais ça fait comment d'être devenu le maire d'Aran par rachat de la ville entière? Mais je sais pas, c'est un truc malade. J'avais carrément oublié que j'avais ça. Ah, tu m'étonnes. J'ai 100 000 crochets, 100 000 pétards, 100 000 boucliers, d'accord, un truc qui sert à rien. Rien que le nécessaire, le minimum, on va dire. Tranquille. Il y a que moi qui suis ringard là-dedans. Non, t'inquiète pas, je peux regarder ce que j'ai dans mon stock, mais je crois que je pourrais te donner deux, trois petites choses que je pourrais même améliorer, tout ça. Ouais, c'est pas sûr, ça. Toujours les livraisons. Mais je crois que c'est. Les chambres. C'est la nuit, mais le temps qu'on la trouve, on va atteindre le crépus, enfin l'aube. D'ailleurs, je crois que c'est déjà le début de l'aube. Non, mais la chambre, elle est là. Ah, je vois la vie. Qu'est-ce qu'il raconte? Donc, même t'as la chambre, t'as le vendeur, mais notre chambre, c'est celle-ci. Hein. C'est vrai. Et tout là. Ah. Attends, voilà. Voilà. Alors attends, il faut. C'est le matin. Alors voyons, qu'est-ce que j'ai dans mon truc moi? Voilà, c'est mieux pour sortir quand même. Hein. Alors. Ah oui, d'accord, j'avais oublié. Ok. Ah oui. Ok. Il sait plus. Non, c'est même pas que je m'en souvenais plus. C'est pareil. Alors attends, si je. Attends, je laisse faire le point, moi je vais fermer mes volets, allumer la lumière parce que je vois de moins en moins, je me flingue les yeux. Je reviens.
Pas de placement libre. D'accord. Alors, attends. Voyons. Si je te donne ça, il faut que je retrouve... Parce que ça fait un bail, mon Dieu. Inventaire. Voilà. Si je te donne ça... Hop. Est-ce que tu peux récupérer? Oui, j'ai récupéré. Maintenant, si je te donne... Oh putain. Alors, il va te falloir de l'argent, très certainement. J'ai pas grand-chose, hein. Je suis pauvre, hein, disais, moi. Oh, ne t'inquiète pas. Franchement, là, je crois que t'as de quoi faire. Alors, regardons ce que j'ai un peu. Ah oui, si. Alors, pour faire évoluer ton personnage. Ah ouais, alors, attends. Tiens, je vais te laisser ça. Tiens, je vais te laisser ça. Hein, 995 crochets. Oula. J'ai travaillé dur. Hein. Ah mais c'est pas un peu abusé quand même là. Avec modération, bien sûr, bien sûr. Attention. Bon, t'as déjà une arme. Je pense qu'elle est plutôt assez forte. Comme c'est le orange, c'est vraiment la meilleure des armes. Elle se casse aussi celle-là. Oui, mais tu pourras les réparer également. Ah. Voyons. Qu'est-ce que je peux? Hop, tiens. Si tu le veux. Une pioche légendaire. Ah, si tant, je suis plein. Faut que je mette des trucs dans mon machin. Pourquoi j'ai un fusil à pompe là? Un fusil de police camouflage. Ah, c'est ça, je vais faire ça. Le café, Ah, mais je peux déposer aussi des armes. Ah, mais si tu veux des couteaux, hop, allez-y. Ces cadeaux, vous pouvez les prendre. Elles font mal. Je suis plein. Voilà. Même toi, le sage, si tu veux récupérer. Un moteur plein, je peux pas tout prendre moi. Mais mets tout dans ton sac. Mais je peux pas, même en prendre une, je peux pas. Ah bah attends, je vais me servir. Attends, j'ai. Attends. J'ai rangé ma bourrasque, moi. Moi, ça me laisse voir un petit peu ce que j'ai dans le stockage. Ah, les fusées de Zaïd, c'est pas mal. Vous êtes en manque de feu d'artifice ou pas? Non, ça va, merci. Je dis ça, je dis rien. Il en a plein, je suis sûr, il en a une tonne. Oui, il peut assurer le 14 juillet à lui tout seul. C'est bientôt, mais là, si je veux tout faire péter, je fais tout péter. Hein. Entre les grenades maison que j'ai, voilà, les feux d'artifice. Il y a vous, il y a vous. Bon, mais je crois qu'on est plutôt pas mal. Ouais. Ah, monsieur. Allons-y. Allons-y. Moi, je vous suis, hein. Bon, bah, moi, je suis une scène. Donc, la queue le. Bidi. Mais par l'autre, là. Brecken est maintenant tellement désespéré qu'il est prêt à pactiser avec le diable lui-même. Rice. Et comme je dois découvrir si ce Rice est celui. Allez où, Rice? Tout le monde s'éclate! À la colole! Une caisse arrive au sol, il y a un type en orange à côté. Redescendre! Hop là! Faut sortir! Aïe! Alors attends, qu'est-ce que c'est cette.
Oui, tu pourrais nous rejoindre aussi, Nayone. On pourrait être à 4, ouais. Ah, c'est marrant, ça me donne une mitraillette, mais il n'y a pas de balle. Ah, alors, on fait du sniping air, là. Alors, attends. Je vais regarder ça en arme. Toc, toc, toc. Qu'est-ce que je pourrais te filer? Des armes. Ça, c'est drôle. Pardon. Ah oui, d'accord. Elle me montre une table, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis déjà crevé. C'est ma faute, mais c'était drôle. Chacun son tour, hein. Hier, c'était au retard dans le jeu de contente de machin, et là, c'est moi. Ah. Ah, c'était drôle. Ah, comment ça a giclé, c'était trop bien. Ah, c'était trop tentant, désolé. Ouais, c'est bien, t'es de retour. Alors, voyons, qu'est-ce que je peux mettre? Voilà. Ah, c'était trop drôle, Nayane, écoute. Trop bien. Il fait quoi, il arrive ou pas? Non, il reste spectateur aujourd'hui, mais une prochaine fois, on formera un quatuor. Ouais. Ça va être un sacré boxon. Ah. La, je ne vous vois plus. C'est rigolo. Oui, il faut nous suivre. Il va vite une scène. Attention, Tota. Il galope comme un fou furieux. Ouais, normalement, il y a des zombies, hein. Il cherche à vexer Usain Bolt, tu vois, donc on devine le profil. Je vous ai perdu de vue. On regarde la carte, on est en direction du chemin de fer. En direction, alors, le chemin de fer. Je crois que j'ai une énorme année. Je croyais qu'on se dirigeait vers la gare, attends, mais j'ai des bêtises. Mais il va tellement vite, une scène que je sais plus. Et une scène ne va pas trop vite parce que là je sais pas où vous êtes donc. On a passé la frontière, t'as ton passeport. Le mec il trace trop. Madame. Quel est le montant de la valise RTL? Non mais de toute manière juste en dessous de nous c'est un camp, donc ça va. Ouais mais moi ça ne me... Regarde la carte. Attends, j'ai diffusé le pire. C'est ça le pire, c'est que je pourrais lancer une fusée si j'arrive à me réorganiser. Merde. Je sais plus comment je suis pour lancer les fusées, moi. Alors, Attends. Vous êtes là déjà, mec. Alors, on galope, hein. Galope. Merde, attends, j'ai des fusées. Comment je m'en sers, moi, des fusées? Bonjour, madame. Hop. Munition, machin, argent, crochet, kit de soins. Et d'ailleurs, en ce qui... tu commences à rejoindre le clan des diffuseurs, j'ai déjà mis les pieds, l'eau est douce et chaude. Ah. Nayone qui essaye d'influencer une scène pour qu'il devienne diffuseur. Mais ça va pas tarder. Ça viendra. Oui, il va bientôt. Il faut un deuxième PC pour ça. Mais oui. Non, par contre, je comprends pas. Attends, j'ai des fusées de détresse et j'arrive pas à m'en servir. Pourquoi? Il y a un Dorotin qui fait une carnage en bas là. Ouais, il s'amuse, il a raison. Torrefusée. Ah non, équipement, j'ai oublié de les prendre. Oh, c'est pas intuitif. Par contre, je peux peut-être m'en fabriquer du coup. Est-ce que je peux pas me fabriquer des fusées? Pétard, booster, bouclier, booster. Ah, fusée de Zaïd, je peux en faire deux. Pourquoi je ne peux pas réparer? Je sais pas. C'est bizarre. Oh, justice corrompue, elle raid. Waouh. Pourquoi je peux pas réparer? C'est bizarre ça. Justice corrompue. Waouh. Je peux faire l'arc de Elred, sympa. Pourquoi je peux faire que deux fusées de Zaïd? Ah, produits domestiques. Il faut que je cherche des produits domestiques, moi, pour faire des... Faudra que je fouille des baraques pour trouver du produit domestique et faire des fusées de Zaïd. Au moins, quand on est séparés, je pourrais tirer une énorme balise. Et vous pourrez me voir. T'as besoin d'aide ou ça va?
Oh, ça va, je... T'as des fans, une petite... Ok, Raïm, je suis sur place. Fais en sorte qu'ils te voient et sachent qui tu es. N'essaie pas de les avoir par surprise. C'est le meilleur moyen de te prendre une balle. Ouais, les balles perdues. Bonne chance. Bonne chance, frère. Plus bonne chance. Ouais, magnifique, ce balle de zombie qui vole, là. Ouais. C'était incroyable. Aïe. Oui, pas dans une scène, tu disais quoi? Je suis dans une usine avec plein de tuyaux. Ah, pourvu que tu aies trouvé le bon. Ah, bah. Il y a des produits domestiques. Oh, bah, derrière toi! S'il vous plaît, oh là là. Je sais, mais quand même. Ouais. Elle voulait plus qu'un autographe, elle voulait un bisou. Harcèlement chez Soualdo. Je viens voir Rice, c'est Brecken qui m'envoie. Un critique. Ouais, allez, on rejoint une scène, Tota. Vas-y, vas-y. C'est pas tout de faire une vidéo en pleine rue avec les gens qu'on passe avec Rice. Ouais. Bon, allez, joue. Il est parti là-bas. Ok, allons-y. Ah, bah voilà, moi qui parlais de la gare. Ah merde, je suis devant le portail là. Enfin, ouais, là, je vois que tu nous attends. Ouais. On arrive, on trace, on arrête de faire les idiots, on te rejoint. Ouais, faut prendre les idiots, hein. Pour nous, c'est le train quotidien. N'importe quoi. Il y en a du monde sur les voies. Le train de la muerte, là. Est-ce qu'on peut dire que ça envoie? Ah oui, bravo. Attends, il est parti là-bas. Ah, il est parti là-bas, une scène. Oh, j'en décapite deux en couple, en un coup, je sais pas. Oh, oui. Une pierre de zombies. Exactement. Oh merde, je suis pas content de voir. Bon, il est là-bas, notre ami une scène, on va pas le faire attendre davantage. Hop là, par là. Oui. Hop là. Bonjour messieurs. Non. Il va falloir que je change d'arme parce que là, c'est juste que voilà. Bah oui, Nayonet, c'est la technique à une scène. Il veut un PC pour jouer et un PC pour Allez, diffuser. C'est bon et, pour moi. C'est vrai que ça se fait, mais en fait, la décision vaut mieux la faire dès le début. Dès que tu as choisi ta config comme il faut. Moi, vous avez vu, j'avais un moment, j'avais essayé de basculer sur cette version de fonctionnement avec un deuxième PC. N'hésitez pas. Pourquoi on attend les autres joueurs? On est tous regroupés, je comprends pas. Faut voilà, frapper la porte. Ouvre la porte. Et ça, vous vous souvenez la barisine que ça avait été, que j'avais voulu basculer sur deux PC. Il faut prendre la décision dès le début. Mais ouais, c'est très bien. On est amis depuis combien de temps, Osman? Ça fait très longtemps que nous c'est nous connaissons. Pas la maman. C'est pour ça que je suis extrêmement surpris que tu m'aies volé. On s'est pas déjà vu. Mais je te donne une chance. C'est simple. La main droite. Ou la main gauche. Gauche. Tu parlais de ma gauche ou de la tienne? Toi, tu viens de la tour, ça se voit. Qu'est-ce que tu veux? Je voudrais passer un marché. Un marché? Pour de l'antisine? Forcément, les temps sont durs. Et tu offres quoi en échange, Tes services? Ta loyauté? Je vais peut-être prendre les deux. Va parler à Karim, c'est l'un des nôtres. Fais ce qu'il te demande. Et Rice donnera peut-être de l'antisine à tes copains. Compris? Je crois que j'ai pas vraiment le choix. Quelle perspicacité! Voilà. Ah, ben on va pouvoir serrer la paluche de ce monsieur. Ah non, désolé, elle a été coupée. Mmh,
disons que Nayonès, c'est beaucoup de boulot. Soit tu diffuses et tu joues sur le même ordi, soit tu prends deux ordi. Nayonès, techniquement, il vaut mieux en prendre la décision avant. Parce que quand tu veux faire une transition, ça soulève tellement de problèmes techniques et d'organisation que c'est pas, il y a de la perte de temps, j'ai envie de dire. La porte est derrière nous là, au niveau des caisses. Effectivement. Oui, c'est ouais, de passer d'un mode à l'autre, ouais, c'est du boulot. Et encore, il y a un point précis dans la technique Nayonet, c'est réussir à importer et exporter son habillage de chaîne, tous ses réglages de cadrage, tu sais, de montage par calque, des alertes, de la webcam, etc. Le réussir en quelques clics à faire exportation, importation d'un OBS à l'autre sur les bécanes. Moi, par exemple, j'y suis pas arrivé. Et j'ai pas compris. Je sais que Monsieur Jambon, là, que je connais, lui, était parvenu. Mais moi, échec pour moi. Moi, ça me faisait une erreur. Il voulait pas gérer les données. Je sais pas pourquoi. Pourtant, j'avais la même version d'OBS. Je sais pas, bizarre. Il y a des bugs. Ouais, ça me fait penser que j'aurai bientôt pas mal de choses à faire. Ça va me prendre pas mal de temps, mais il va y avoir du changement de mon côté. Oui, bah bon courage dans tes heures. C'est surtout côté matos. Ouais, bah ouais. Voilà, Rice m'avait prévenu de ton arrivée. Toronto, il se prépare pour le futur Assassin's Creed, je pense. J'ai un oncle là-bas, au Texas. Tu viens du Texas? T'es un cow-boy? Je viens de Chicago. Ok, Al Capone. On sera en contact radio permanent. Comme ça, je serai sûr que t'iras là où il faut. Et c'est où exactement? Tu vas escalader les tours d'antenne et allumer des modulateurs d'ondes courtes. La plupart de mes hommes sont trop lents. C'est entre Rice et toi. Oula. Je vais sûrement pas m'engager à sa place. N'échoue pas, c'est tout. Il gère mal les déceptions. Mais monsieur, où est votre siège? Vous pouvez me le dire? Ah mais oui, c'est vrai, monsieur. Ah mais c'est incroyable. Il est moi, fort. J'ai un siège. Moi, il a un siège chez moi. Ah non, non, il a rien du tout. Moi, il a rien. Moi, il a un siège. Il tient sur ses pointes de pied. Ah, il est très très fort, le mec. Putain, il est vachement musclé. Hein. Wow. Bon, bref. Aïe, aïe, aïe. Oublie ça. Tu tiendrais pas une seconde. Il a empêché de course, Twin Chen. Ah oui, alors, Nayone. Je viens de rencontrer Karim. C'est un peu l'homme à tout faire de Rice. Son ah bah oui, un 17-14-700K. Karim m'envoie une antenne pour Rice. Moi, je suis, hein. Je ne fais que suivre la marche. Et hey, vous êtes parti où? Merde, c'est au-dessus. Faut aller au-dessus. Au-dessus. Allez, au-dessus. Allez, au-dessus. Voilà. Mais vous êtes allé tellement vite. Ah moi non, j'ai raté mon coup moi. On court comme des foufous. Pas grave, je vais prendre un autre chemin. Moi qui prends mon temps, j'aime bien prendre mon temps. Et tu sais que tu peux courir à ton retard hein, quand même dans l'histoire. Hein. Oui, je sais, quand même, messieurs. Un peu de respect pour les vieux quand même. Oh. Excuse-moi, mais de nous deux, je crois que le plus vieux c'est moi, ton retard. Je sais plus, j'ai un doute. Dans le wagon. Oui, mais je suis handicapé, c'est pas pareil. Oh. Je suis vieux et handicapé. Ça y est, dans le wagon. Faut trouver une excuse dans tout, qu'est-ce que vous voulez? Oh, là, c'est bon. Dans le wagon. C'est le...
C'est le wagonnette. Après Nayonnette, le wagonnette. Déjà. Mais où est-ce qu'il est Bah, il marche. Ou il rampe peut-être. Je sais pas ce qu'il fait. Je sais pas ce qu'il fait. Il rampe peut-être. Hein. Mais t'es resté chez Rice, j'ai l'impression. Non. Il faut sortir. Hein. Faut sortir. Ah bah mais oui. Oui. On est deux. On est sur des wagons. Ah d'accord. Ah oui, je. D'accord, ok. On est dehors, mon cher Torta. Faut le point orange. Alors, je regarde s'il n'y a pas un endroit où, hop là, où je pourrais tomber. Je suis des bêtises. Partout, tu peux tomber. Voilà. Regarde, on mange bon ce machin. Donc, un fils de con, pour moi, je préfère rester comme diffuseur occasionnel et secondaire. Oui, non, non. Ouais, bah oui. Voilà. Moi je triche avec et compétence en plus en moins. Con et pétence. Hein. Oh. Alors, oui, moi je suis plus pédant que pétant. Enfin bref. Ah bah c'est bien, t'es où là, Torta? Nous voilà. Ah oui, il faut monter sur le toit du wagon pour appeler l'autre meuf, je crois. On met sur le toit. Ouais, mais c'est sur mieux. Le toit. Ça capte mieux. Ah, si, 36 15 là. Ah non, pardon, ça c'était avant. J'ai rencontré Rice. Qu'est-ce qu'il dit qu'on me dise ? C'est Suleiman. Ce type est un malade mental. Mental. Un politicien sans scrupules, il est passé à chef de guerre. Est-il au courant de vos liens avec nous ? Non. Non, il croit que je suis juste un gars de la tour. Il me teste pour voir s'il peut me donner de l'ortisine. Bien reçu. Continuez à lui obéir. N'oubliez pas qu'il nous faut ce dossier. Super. Crane, terminé. Et zou. C'est parti. Youhou. Zou, bye. Ah, moi, je cours. Hey, Al Capone, c'est vrai? Tu dois faire quoi, exactement? Une chaîne est un même passé. Les communications radio sont mauvaises dans la zone de quarantaine. Ces modulateurs vont amplifier le signal. Et Rice pourra communiquer avec les avant-postes les plus éloignés de la ville. Tout le monde en profitera. Pas seulement Rice. Peut-être. Mais un empereur doit gérer son empire. Elle est sous le choc, hein, madame. Oh, il y a des messieurs là, de orange là. Il y en a deux là. Oh là là. Ouais, ah, blague. Salut toi. Moi j'avance, hein, j'y touche pas ces gens. C'est la première en fait. Voilà, ils sont morts tous les deux. Donc on fait quoi? Torta et moi on fait des ravages. Attends, il faut que j'utilise une autre arme. Je sais. Attention derrière toi, le sage. Ah ben non. C'est parti. Attends, il y a une autre arme. Je sais plus comment je l'utilise, celle-là. Non, pas alors que. On les trouve où les balles pour le pistolet là? Dans les fourgons de police ou dans les coffres de voitures de police? Ah merde, j'ai zéro là, faut rien faire avec. Ok. Je vais t'en débrouiller. Et j'ai plein de zombies autour de moi là. J'arrive, je viens t'aider parce que Torota est en train de calibrer ses armes. J'arrive. Parce que j'ai un truc marrant, mais je sais plus comment je fais. Et attention, il y a un mec orange. Ah oui, il est rigolo lui. Venez madame. Ah bah non, c'était pour toi. Je sais plus, il faut que je la répare, mais c'est bizarre que je puisse pas. Ah ben voilà. Alors studio il vient. Bon madame, ça suffit, je veux pas de bisous. Une balle dans la tête. Chez vous, madame. Je lui ai mis une balle dans la tête, je voulais le provoquer, il est mort ce nigo. Ah bah d'accord. Oh, ah bah bravo, ils sont vachement coriaces. Je m'attendais à un mec franchement qui allait me. J'allais pouvoir jouer un peu avec, pas du tout. Une balle à mort, bon bah voilà, c'est réaliste. Alors, j'arrive. Mule, vous êtes là-bas. Je vous vois. J'ai la fête là-bas. Avec nous là.
Bon, là je viens qu'en spectateur parce que. D'accord. Là. Et cherche. Wow. Faire de l'escalade. Tari tari titu ratatouri tuti. Tari tari titi ratitu. Activer le générateur principal, c'est sur le garage ici normalement. Allez, il faut pas monter. Pour ouvrir la porte. Allez, ouais, vas-y. Comment ça, pour ouvrir la porte? Oui, il faut descendre le sage parce que c'est la porte de garage qui est juste là. Oula. Où la chute. Attends. Là. La porte de... Oh. Derrière toi, derrière toi. Ah oui, pardon. J'arrive. Voilà. Ah, je crois que c'était une antenne, excusez-moi. Surprise, motherfucker! C'est qui lui là? C'est le Jarbotron. Mais il va pas durer longtemps. C'est infecté de mes deux avec les poils. Voilà! Il vient de me balancer une pierre toxique! C'est une bonne raison. Alors attends, bouge pas, je crois qu'il y a eu un zombie par là. Voilà. Hop, il est mouru dans le garage. Et maintenant, vous pouvez revenir relever le... Mmh. Ah oui, bon, est-ce que j'en ai vraiment besoin de tout ça? Non, moi, il faut des produits domestiques que je puisse faire des fusées. Il t'en faut... Oh, attends, est-ce que j'en ai pas sur moi, là? Ouais, je vais attention. Te dire. Je vais être exigeant parce que je vais pas demander des fusées classiques. Je vais demander des fusées de je sais plus qui là. Il a un nom. Bah attends, je regarde. Tiens, lui il est plus résistant. Ah non, ça éclate les crânes ces balles. Ouais, c'est alors, un fusil. Pièce de fabrication. J'ai de l'alcool. J'ai boîte de conserve, champignons, des clous, cordes, câble électrique, de gaz. L'âme. Est-ce que tu as le string de là, Fabien? Il a. Ah ben non, c'est la seule chose que je n'ai pas. Ah bah mais d'alors. tu veux. Produits domestiques, j'en ai si tu veux. Oh, je veux bien. Mickey, où es-tu? Ah, tu es là. Alors, on est parti. Ma question c'est comment on fait pour les donner? Oh, mais t'inquiète pas. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Moi je suis déjà en haut de l'antenne, hein, je grimpe. Hein. Oui, vas-y, c'est ta mission. Et puis n'oublie pas de prendre des photos, tu ne scènes. Hein. Ouais, je sais pas comment on fait les captures sur Epic, alors tant pis. Passe de bonnes vacances, hein. T'as pris ton chapeau et tes nuettes de soleil quand même pour bon. Voilà. Tu veux quoi en échange, Torota? Oh. Oh, rien du tout, ah, si tu savais. T'es adorable, messieurs, messieurs. Et... Oh bah, bah. Il est fou. Bah arrête, tu fais des codes triches, c'est pas possible. Fais des codes triches. Il est fou. il doit avoir une sauvegarde typée comme dans... Ah ouais, ouais, non, mais c'est complètement craqué. Là. Il y a un camion. Ouais, c'est ça, il y a eu un éditeur hexadécimal qui... Hein, bon. Aïe. Ah, fusée de Zaïd, je peux en faire 79 maintenant. Toi, tu m'étonnes. J'arrive toujours pas à m'en servir, c'est ça qu'il faut. Alors non, c'est pour être honnête, ce n'est pas de la triche que sérieux j'ai fait. Mais comment t'as fait pour atteindre un tel plafond? C'est fou. Ou alors t'as, si c'est pas de la triche, t'es parvenu à exploiter une faille dans le jeu. C'est exactement ça. Malin. Parce que les triches, ça, je n'aime pas ça. Mais il y a des failles, effectivement, oui. Ouais, t'aimes bien les exploiter. Mais tu me rappelles mes belles heures sous Test Drive Unlimited. Il y avait un marché des bagnoles de case à l'international. C'est complètement démentiel. Mais moi, j'arrivais à t'acheter des McLaren qui vaut des millions de dollars. Je t'achetais des McLaren à 100 dollars l'unité, quoi. Le truc complètement abusé. Mais c'est vrai. Et je les revendais au prix normal.
Donc j'avais un. Ah oui, dans le banque. Non, mais dans le jeu, j'achetais tout, quoi, à la fin. J'avais toutes les bagnoles, toutes les baraques. J'étais complètement. J'étais le prince en son royaume. Mais je me suis éclaté. J'ai adoré Tazref Unlimited. D'ailleurs, le 3 est censé sortir, puis on n'en entend plus parler. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Je suis monté tout en haut, et a priori, ça a été un faux. Je redescends en bas. Ah. Et. Boum. Je peux pas descendre, moi, là. Tu as des câbles, tu peux faire de la... Tu peux te barrer à un autre point de la ville si ça te chante une scène. Tyrolienne, voilà, chercher le mot. Ah mais j'ai pas de tyrolienne, moi, comment on fait pour les utiliser? Ah, t'as pas de tyrolienne, merde, t'as pas la compétence. Ah si, c'est bon. Ah, tu vois, t'es un chef. Ah oui, on te voit arriver. Ah, oh, je me croirais dans ton rider, là, oh là là. Bon. Oh, mais... Ouais, c'est terrible. Donc, bref. Oui, on va rejoindre. Oui, oui, monsieur. Oui. Ah, ben il est là. Oui, c'est monsieur, bien. C'est la sécurité, s'il vous plaît. La sécurité anti-zombie. Bon, l'arme te... a l'air de te plaire, apparemment. Tout va bien. Ah, faut que je crochette. Mm-hmm. Ah, ben là, avec ce que je t'ai donné, normalement. Tiens, qu'est-ce qui s'est passé? Et une explosion au niveau du véhicule. Bizarre. Hop là. Voilà. Alors, n'hésite pas aussi, Kunsen, si tu trouves des plans, prends-les. Là, j'ai allumé ce putain de courant. Bien, maintenant, grimpe tout en haut. Ah, j'en reviens, il se fout de ma gueule le truc. À tout à l'heure. Bon courage. C'est toute ta vie, une scène. Tu peux le faire. J'ai acheté comme un ramor. Tu fais comme une octave. Tu montes l'Everest là. Oui. Vas-y, tu nous rends hommage là. On t'encourage. Oh punaise. Vite, fuis ton tas. T'es sur un bidon. Je vais le faire péter. Oh là. Vas-y, fuyez et pend. Oh, ce défouloir, ce jeu, c'est extraordinaire. Ah, t'en as un là-bas, si tu veux. Où ça, là-bas? En dessous de moi? Voilà. Tu dis vrai. C'est vrai. Est-ce qu'il y en a un autre? Oh, c'est bon, on a tout fait péter, je crois. Dommage. Suffisamment fait des foufous, Torota. Dans ce jeu, jamais. Non, c'est vrai que ce jeu est extraordinaire. Et du coup, tu t'es frotté au deuxième opus, ton retard ou pas de Dying Light? J'ai fini les deux. C'est un dingue! C'est un dingue! T'as du chemin, le sage, encore, hein, pour le rattraper. Hein. Oh, bah oui, non, mais moi, je vais tout doux, et oh, doucement. Surtout que moi, je prends des photos, je commente. Toi, t'as avec la force marché, toi, c'est normal. Vie! Mais le deux est quand même. Alors, ce n'est pas du spoil. Oui. Mais dans le 2, il y aura des choix à faire parce que ça va te donner une certaine destinée. Oh. Madame, ça suffit. Ah, oula. À ce point. Alors, le racolage de rue, c'est fini, oui. Non mais madame, remettez votre jupe s'il vous plaît. Oh ah. Qu'est-ce qu'elle raconte encore? Ça suffit. Dun, 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 dun. Moi je grimpe pendant ce temps-là, on va voir la deuxième fois. Oh la tête. Bravo. Allez Twin Child, allez Twin Child. Je suis à un endroit où je vais pas aller. Ah zut. Oh merde, j'ai jeté mon arme. Oh, qu'est-ce que j'ai fait moi? Attendez. Déjà, je dois l'école et je récupère ma hachette. Excusez-moi. Hop là. Bah non, je voulais essayer sans élan, mais ça marche pas. Mais grimpe sur moi et vas-y, tu vas pouvoir. Oui, $17. Mmh. Si je fais ça, je pourrais même me camoufler en zombie, c'est incroyable ça. Eh bien, tu viens plus aux soirées.
Ah ben allez, let's go. Oh non, il est sérieux. J'ai des points de compétences non utilisés. Non, le jeu déconne. Ouais, bon, moi j'en avais plein. Ah, faut aller dans le menu pour les débrouiller. Agilité, moi. À force de faire l'idiot, j'ai débrouillé des points d'expérience. C'est beau. Demi de volée, bélier ou retour de manivelle. Oh merde, Karim! Quelqu'un a déjà massacré le truc pour récupérer des pièces. On peut plus rien allumer là. Merde, j'avais un peu peur de ça. Bon, rejoins la tour d'antenne suivante. Elle est pas très loin. Là, non. Tu la verras. Allez, faut changer de tour, c'est pas la bonne. Ah. Faut aller vers l'est. Oh! Yeah! Oui, c'est efficace. Bien. Ah, un excité. Allez. Faut aller vers l'est. Vas-y, tu ne sais, non, tu es en cours. Allez, zou. Alors, où est-ce qu'il est parti, Twin? Dans l'eau. Twin. Il vient d'entrer en scène. C'est Twin. Mais oui, c'est une chaîne. Ah. Hey Karim, je fais quoi si le deuxième émetteur est foutu? Derrière toi, le sage, il y en a un qui te veut, hein. Oh là, il te... Non mais... Précaution. Non mais... Tu meurs de façon atroce. Bon, mais ok. Il ne voulait plus de toi. C'est un goujat. C'est un goujat. Aïe. Kamura. Eh, c'est rigolo les pétards. Merde. Je vais lancer pétard, puis moi j'ai fait le grappin sur le bidon de Spinwood. J'ai chaud d'ailleurs. Bon, du coup, ça m'a déconcentré mes âneries. Ah, c'est pas grave. Oh, merci. Allez hop. Ah, j'ai tranché la question hein, au niveau de votre relation. J'ai dit non. Le mariage n'est pas faisable, madame. C'est ça. Je sais pas ce qu'ils ont en ce moment, les villageois. Ils perdent tous la tête. Au bout d'un moment. Oh, c'est horrible. Oh, c'est atroce. Cette boucherie. Oh là 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 là. Allez-y. Bonjour, c'est la fête. Vous avez la tête bien champagne. Ah, on fait sauter la... Madame, vous êtes pressée de mourir. Super, magnifique. Oh, t'es en train de foutre le feu, doucement. Madame, elle est chaude. Oui, je non crois, tu as raison. Oh non, dommage. Oh. Fallait rester dans le feu. C'est horrible. C'est abominable. Je ne sais plus quel adjectif employer. Pendant ce temps, Twin Sen accomplit héroïquement la mission. J'essaye. Déjà trouvé le chemin. C'est bien. Oh là, elle danse la polka, la madame. Oh là, on dirait Ophélie Winter. Là. Dieu m'a donné la foi. Elle est partie dans une chorégraphie. Karim, je suis près de la deuxième tour d'antenne. Oh, les petits paquets à récolter, c'est Mimi. Je crois qu'il y a quelqu'un à l'intérieur. C'est sûrement Alexei. Allez, je suis la fête. Il me fatigue, ces deux-là. Ne lui laisse pas te barrer la route. Tu dois entrer et activer cet émetteur. Et hop là. Moi, je remercie plein de petits paquets, c'est extraordinaire. C'est moi ou j'entends un petit boss là? Enfin, un petit boss. Je sais pas, j'ai rien vu. Moi, c'est zombie lambda pour le moment. En même temps, je sais pas où est-ce que t'es parti, mais. Ah, t'es pas de moi. Bah. Oh, ben neuf. On est les nettoyeurs. On va être les nouveaux maires. Peut-être rejoindre Twin Sen. Bon, je suis à la tour là, faut... je vous attends.
Ah, désolé. Bah, je me disais bien qu'on allait finir par occasionner une gêne. Propose une scène qui doit être poireautée maintenant. Parce qu'on fait des idiots dans notre coin, on s'amuse comme des gamins. Col chic dans les prés, frelisse, frelisse, col chic dans les prés, c'est la fin de l'été. Ah, je vous vois arriver là. Hop là. Et... T'es... Ah oui. Ah, t'es passé par là, mais pourquoi pas. Ah bah tiens, il y a un truc à récupérer ici. Mmh. Oui, si caisse. Ça dit, je suis. Ouais, on y va. Il y a personne. Ouais, c'est cadeau, hop. C'est offert par la maison, effectivement. Alors moi je les prends pas parce que vu mon niveau, c'est même pas la peine. Ah ouais. Ouais, bon. Mais Dwinsen, par contre, lui, ça va l'arranger parce que ça pourrait lui faire monter de niveau, justement. Donc si tu veux bien, Dwinsen. Bah, ou je peux peut-être lui passer les miennes. Alors. Oui, mais tu prendras, mais je passerai, je prends tout et puis. Je peux pas. Merde. Non, c'est par là le sachet, tu vas voir. Ouais, c'est sécurisé, ouais, je sais. Et en même temps, je tricherais bien avec le grappin, mais j'ai pas d'attache. Je n'ai jamais utilisé le grappin dans le jeu. Ouais, sérieux? Sérieux? Là, j'aime bien faire mon Spider-Man, mais là, c'est étudié pour qu'il n'y ait pas de... Voilà. Je dois escalader la tour. Quelle idée. Pourquoi faire? Ouais, pour Rice. C'est lui qui me l'a demandé. Je vais contacter Rice et lui dire que vous voulez pas me laisser passer. Ras-le-bol, veux-tu bien parler moins fort? Peu importe ce qu'on m'entend. Christophe, t'as perdu la tête ou quoi? Bon, elle est où du coup? Là, au-dessus ou en dessous? Ces types sont des tueurs. En hauteur, oui. Les transmetteurs. Ce sont des meurtriers. Ouais, oui. Et on travaille pour. Comme ça. T'as une belle vue, Twinsen. Tout va bien. Ne glisse pas surtout, hein. Ne regarde pas en bas. C'est un chemin. Comme ça, on est mort. Regarde, là, juste au-dessus de ma tête, là. Voilà. Tu peux suivre le sage. Ça va? Oui, c'est bien, tu te débrouilles bien. Je vous regarde d'en bas. Oui, on se fait un petit peu d'exercice. Sinon, ça va, vous, messieurs? Le travail se passe bien? Monsieur, vous n'êtes pas trop fatigué? Restez appuyé comme ça toute la journée. Ça grappe, ça grappe. C'est bien, bravo. Et vous, quand est-ce que vous allez viser ce putain de clou pour touter cette planche? Ça fait 6 jours que vous êtes là, là. C'est pas bon. C'est travailleur, je vous jure. La 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 la. J'espère que l'escalade en valait la peine. Ah bah non. Je suis en fâcheuse posture. Je dois recommencer. Ah, c'est un bon exercice, hein, l'escalade de pylône. Allez où, putain? Mais là où il y a deux points orange, donc du coup, faut repartir en arrière. Ah, on m'a fait peur. Je suis tombé. Abby, il est mort. Non, sérieux? Ouais. Ouais. Ah, merde. Ah, j'étais bien haut, hein. Bah, tu m'étonnes. Bon, j'en grimpe. Mais t'avais la tyrolienne, en plus. Mais... Bon. Ah, je repars sur la tour, c'est bien. Ouais, il faut prendre le temps de la... De l'observation. Mais pourquoi ça me fait ça? C'est ouf. Ah.
Ah, c'est parce que... Ouais, d'accord, je comprends pas. Bon, mazel. Le boîtier est intact. Voyons si ça en valait la peine. Allez, Twin Chain. Allez, Twin Chain. Ouais, je grimpe. Hein. Je vous vois. Allez-y. Je suis tout en bas. Oh, cette vue, moi, je suis tout en haut. Cette vue de fou. Si je t'envoie une flèche, est-ce que tu vas la voir passer? Est-ce que tu vas la stopper entre tes dents? Le mec, il est fou, c'est cringe. Oh là là, ce pont. Vous vous souvenez du pont, mes spectateurs fidèles? C'est le pont de la River Kwai. Ouais, non mais j'ai un sacré clip, moi, où les zombies se jetaient dans la baie. C'était complètement fou. Tu te mettais sur un côté et tu les attirais tous, ils se foutaient là. C'était la folie. Il y a du vent. C'est superbe, la vue elle est magnifique. Qu'est-ce que c'est que cette antenne là-bas, bicolore là, rouge et blanc. Oh, doucement. Ah, c'est loupé. Oula. Oh, je suis. Il se fait peur, tu es une chaîne. Ah, mais je tombe à chaque fois. Oh. Ne te mets pas la pression non plus. Prends le temps d'observer. C'est important en escalade. Est-ce que je vais faire un headshot de là où je suis à la femme du bus, là-bas en blanc? Alors je sais plus, mais moi je crois que j'ai ma combinaison de vol. Je peux me prendre pour un écureuil volant. Je sais plus, je l'ai cette compétence, non? Agilité, je crois. Ah, je suis retombé encore. Ah là 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 là. Le wingsuit. Ah, je confonds peut-être avec Far Cry. Attention, j'ai peut-être des bêtises. Ah, mais t'es mort encore. Une. Ah ouais, j'ai raté mon coup là. Camouflage. Ouais, j'ai encore pas mal de trucs à déverrouiller. Hein. Grenade maison. Apprenez à fabriquer 4 types de grenades, standard, à clou ou givrant ou toxique. Pas mal. La puissance, j'ai tout. La puissance, j'ai tout déverrouillé. Niveau de légende. Alors j'ai 2 à l'arc, je fais des gros dégâts à l'arc. Je fais plus 80% de dégâts à l'arc. Ouais, il faut que je m'amuse à tirer à l'arc comme un gros maboule. Régénération de santé, plus 2. Ouais. Ça, c'est les compétences légendaires. J'en ai pas beaucoup, hein. C'est le début pour moi. Du coup, on peut encore progresser. Ce jeu est absolument extraordinaire. C'est fou. Je sais plus avec quelle arme elle va, cette munition-là. Les munitions. Alors, il est où tu me tiens dans la structure? Ah, je le vois. Eh, t'y es presque! Prends le temps d'observer, tu une scène, t'y es presque. Ah, je sais plus du tout. Comment je le. Qu'est-ce que je peux me faire en mélange là en attendant? Je peux faire du liquide inflammable, des cocktails molotov. Pas tomber. Je sais plus.
Ah si, c'est ça. Je vais vous faire rigoler un peu. Et les sages, tu vas t'amuser une fois que tu seras en bas avec mes munitions. Ah, ok, merci, Tota. Alors, attends. Dans mon inventaire, il faut que je retrouve où ça a été mis. Ah, si, c'est là. Ok, nickel. Je suis un peu coincé, on dirait, là. J'arrive pas à trouver le... Attends, où est-ce que t'es? Je vais regarder, c'est une scène. Je suis juste au-dessus de toi, là. T'es au-dessus de moi? Ah, bravo. J'ai même pas vu que tu m'avais dépassé. Oui, mais non, redescends à mon niveau, Tunsen. T'es allé trop haut. Ah. Oui, redescends à mon niveau. Et tu vas voir que ta mission, elle est là. C'est ça. Elle est là, ta mission. Ah. Voilà. Hey, Karim, le deuxième émetteur est en état de marche. Ça fonctionne? Karim, tu me reçois? 5 sur 5. Beau travail. Tu connais le chemin pour rentrer? Le droit. Il faut rentrer maintenant. Mmh. Ouais. Ah, mais j'attends que vous soyez là et puis. On descend. Mmh. Ouais. Les toits des voitures, c'est comme les sacs de déchets, ça amortit les chutes, non? Non. C'est vraiment que les poubelles. Les poubelles ou les bannes de gravats. Pas sûr, on va tester. Wow, oh merde! Non! Je voulais essayer de sauter sur la bagnole, j'ai merdé. Karim? Pour les antennes. Dans elle est bonne. La communication est parfaite maintenant. Beau travail. Ça rend service à tout le monde. Et surtout au docteur Zeré et au docteur Camden. Il n'y a plus de parasites sur la ligne depuis... Ah, c'est la première fois. Et t'es loin, il faudrait que je te réanime. Je suis de l'autre côté. C'est pas grave. C'est rigolo, on a eu le dialogue de la mission, donc c'est essentiel. Attends, Twinsen, il y a le sage qui est tombé, qui est mouru. Ah, c'était rigolo. Je reviens à la vie, par la magie du démon. Ah, mais je te vois, c'est je bon. Aïe. Ça me fait toujours aussi mal, mais pas ça de moins haut. Le moment où nous le gage. Ah, tu es là. Je suis là. Ok, let's go, on y va. Oui. On va passer par là. Tiens, viens voir, je vais te montrer un petit peu ce que j'ai. Non, dans... Voilà. Fais péter. Oui. Oh putain, pas à côté. Oh, il est fou. Boum. Tiens. Eh, ça va être la nuit, hein. Regarde, je vais te montrer un truc. Tu vois tous ces zombies là? Oui. Allez, hop. Oh! Mais comment c'est possible? On dirait que tu les as mis en état de tétanie. Hein? Qui ça? Allô? Oui. Et vous êtes? Je m'appelle Paul. Je dirige un petit groupe de survivants dans le secteur 0. On s'est baptisé les ombres. Alors. Twinsen, tu es là-bas, on arrive. C'est la base. On ignorait s'il y avait d'autres survivants en ville. Je tenais à vous remercier. Vous nous avez offert un peu d'espoir. Content d'avoir pu vous aider. Si nous pouvons vous aider à notre tour, de quelque façon que ce soit, Monsieur Crane, n'hésitez pas à nous le demander. Et merci encore. Ah ben, si c'est vous qui le demandez, madame... Faut pas chercher trop loin de ce que je veux. Non, mais que signifie? Et d'abord, des médocs. S'il vous plaît, lâchez-moi la grappe. Oh mon dieu, que de chutise. Et hop là. Allez, la la li la lou. Allez, bon, et mira, vous jasma, ma table, les chichis, quoi, jolie chichis, confortable. Vraiment n'importe quoi. Vraiment n'importe quoi. C'est n'importe quoi.
Mais c'est n'importe quoi. Très inspiré pour les parodies, Tunsen. Voyelle. Alors, je racle une éponge et je saute sur Bernard Campan. Ah, oh, c'est comme l'ox, bien évidemment. Couchez, madame. Couchez. Là, je vois ça va péter, monsieur. Ah, oui. Je vois un otage qui est arrivé. Oh putain. Oh, le gadin. Oh, je me suis viandé dans l'explosion en plein saut. Je t'ai vu. Oh, le bordel. Au secours, je vais me cacher dans la camionnette. La porte, la porte. Ah oui, merde, elle est où? Qui a déplacé la porte? Qui? Personne. C'est... La porte t'emporte. J'ai terminé le... Ah oui, alors. Oh, le boxon. Allez, Rice. C'est lui? Ouais, c'est lui. Les vilains. Parfait. Non seulement tu as mené à bien la mission pour Karim, mais tu es revenu entier. Bravo. Je peux avoir de l'antisine maintenant? Tu pensais me satisfaire aussi facilement? Tu as encore beaucoup de choses à prouver. Écoute, on a vraiment besoin de médicaments. Donne-les-moi et je reviendrai plus tard faire ce que tu veux. Tu auras l'antisine quand moi, je l'aurai décidé, pas avant. Mais je suis magnanime. Si tu as accompli toutes les tâches que je te confie, tu n'auras pas une, mais... deux caisses d'antisine. Très bien entendu. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ce sera un peu différent de ton exploit sur les eaux fixes, tes propres What règles. Crème. Ah oui. Ou bien tu sers de marionnette. C'était un peu zappé. Je crois connaître la réponse. Pourquoi on n'arrive pas à faire la même chose quand c'est les vœux du président à la télé? Ce serait horrible, tu sais. Ça me surprend pas que Rice. Discours de 3 quarts d'heure réduit en 4 minutes. Non, non, juste le jingle d'entrée, le jingle de fin. Merci, au revoir. Oh oui, 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 ça fait des points bonus pour. Ah, mais non, tout. Faut retourner dedans. On n'a pas le chemin, on sait pas où faut aller. Ah. Oh, attends, moi je vais me faire quelques hurleurs là. Oh oui, le plaisir, venez, messieurs, dames, c'est parti. Ah. Plusieurs majocistes de nuit. Qu'est-ce qu'ils font là? Ah, ça fait des points, tout ça. Nouba, au solitaire club. Je ne vois rien, mais c'est pas grave. Oh, et puis faites du bruit, ça attire les monstres. Oh. Mais c'est magnifique. Le mec, il est fou. Ça y est. Ah oui. Oui. Ah. Venez par là, messieurs dames. Ah, oui, attendez, moi j'ai... Le grand nettoyage. Je veux une cible de mes flèches. Voilà. Happy birthday to you. Tiens, mets ta gauche, regarde, t'as du monde là, si tu veux tout faire péter là-bas. Ah oui, happy birthday to you. Oh, ils en sautent de joie. Ils adorent cette fête d'anniversaire. Ouais. Wow. Oh le bordel! Bon, c'est la vidéo sur moi! Ouais! Oh! Je t'ai buté! Je suis désolé, je t'ai buté! Attends, non, pas mort, là. C'est pas grave! Ah la rigolade! Mon dieu, c'est trop drôle! Attends, j'arrive! Attends, lâchez-moi les ondes! Non, mais non, madame, je te laisse pas le moment! Oh là là! T'es indécent! Alors attends, où es-tu? Ah, oh, Kirill. Je te remercie. Ah, oh, bah, je te fais bien ça, c'est ma faute. Et deux. Ah, au moins, c'est bien pété. Oh, je peux dire au moins que tes flèches explosives marchent bien. Ah, bah, tu m'étonnes. D'ailleurs, si j'ai pas de danerie, c'est moi qui les ai confectionnées en plus. Elles sont même pas achetées. Elles sont artisanales. Oh, regarde droit devant, sur le fond, la passerelle. Vas-y, fais-toi plaisir. Oh. Ouah, comment qu'ils chient comme des caca. Ils sont fous, eux. Je suis tellement mort de rire que j'arrive pas à tendre la corde de mon arc, c'est dire. Oh merde. Est-ce qu'on peut dire que t'arrives pas à bander? Attends, y a du monde. Oh le bordel. On est bloqué.
Mais retirez Wallark des mains, je suis devenu dangereux. Je me suis suicidé avec le merci. Oh la vache, ah non, pitié, oula, oula. Oh merde, j'y retourne. Oh le bordel. Oh la vache, c'est n'importe quoi. Oh désolé, Torota. Oh, c'est pas grave, t'inquiète pas. Oh quelle rigolade. Ah mais c'est n'importe quoi. Ah, en fait, il y en a qu'un qui joue bien, c'est une scène au final. Ah, oh, ce bordel. Ah, il y en a un qui est KO là. J'arrive. Aïe aïe aïe. Ah oui, alors. Alors attends. Voilà, je me soigne enfin, il était temps. Bah du coup, vu ton arc, est-ce que t'arrives, est-ce qu'on peut dire que tu n'arrives pas à bander? Oui, oui, exact, bravo, c'est exactement ça. C'est la débandade pour moi, exactement. Oh là 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 là. Ah non, moi j'en peux plus, là j'étais tellement mort de rire que j'arrivais même plus à utiliser mon arme, mais c'était ça le pire. À ton âge? Bah oui, mais excuse-moi. Faut savoir pour faire se reprendre en main. Flash explosive, qu'est-ce que j'ai là-dedans? Mais c'est complètement craqué. Non, mais regardez-moi ça. Oh, c'est beau. Oh, j'ai même pas les flèches explosives. Oh, non. Je suis déçu. Tu les as pas dans ton arsenal. Ah non, je suis déçu là. Bah oui, tu es déçu. Putain. J'en ai là. Vache. Attends. Bordel. C'est n'importe quoi. Ouh, ça fait du bien un peu de calme. Oh la vache. Il y a plus grand monde, on dirait pour l'instant là. Ah ouais, écoute, après les dégâts qu'on a occasionnés, on a fait sauter tout le quartier. Heureusement qu'il y avait une pluie battante pour éteindre les incendies, parce que le quartier serait en flammes avec moi. Ah. Oh, le bordel. Bon, c'était quoi la mission? Je sais plus. Prends la porte. Ah, la porte, ah oui, c'est vrai. Derrière nous. Ouf. C'est la fête thermonucléaire. Et on attend le tour, Rota. Et que ça saute. Bien joué. Bon, ok. Rien du tout. Bonsoir, monsieur. C'est parti. Est-ce qu'on est pas voir la dame pour le chemin? Ça me surprend pas que Rice s'est pas tenu parole. Mais j'ai... Tu veux nous rejoindre? Ah, c'est Monsieur Chaise. Ah oui. Ah là, il a. Ah, il a. Il a sa chaise. Oui, il l'a retrouvé, dis donc. Ah, mon ami. Ah, je t'apprécie, c'est évident. Comment ça? Si c'était pas le cas, tu serais plus en vie. J'ai une petite mission pour toi. Il faudrait que t'ailles récupérer quelques trucs dans les colonies. Lesquels? Au garage. Attention, tout le monde ne sera pas forcément prêt à coopérer. Doudou. Je suppose que tu sais être convaincant quand il le faut, non? C'est marrant, mais on dirait la voix de Joshua. Non, c'est deux mots dans les Simpsons. C'est pareil, c'est le même. Eh ben voilà. C'est le même mec. Ok, bon ben voilà. Ça me surprend pas que Rice s'est pas tenu parole. Mais le GRE ne laissera pas m'en tirer comme ça. Si on a une chance bon, de récupérer de la allez où? Aïe aïe aïe. Sortez vos flèches, tout une sonnée devant. Y'a quoi? Ah mais fait nuit, on a envie de dormir. Oh attends, toi pas boudeur comme ça, Twinsen, voyons. On recommence ou Ben vas-y moi. C'est la fête, attrapé. Waouh. Pourquoi il... Ah, c'est magique. Il n'y a plus personne. Je crois qu'il y avait si, un arbre. À droite. Ouais. Il a choisi son camp. Aïe, 14 juillet. Ah oui, alors.
Bon, je vais faire mon kamikaze, hein, je vais y aller. Ouais, oh, oh, la madame qui vole. Incroyable. Allez, on te suit, vas-y. Vas-y, tu une scène, cours. Comme ça. Ah, alors, je sais pas où vous êtes, tellement je fais l'abruti. Là, je vous vois. Ouais, nickel. On est passé comme des malades et on est coursé par un rapace. Je dis pas la rigolade. Ah, bah attends, je vais le couper, je vais m'occuper de lui. Ah, oh, mais lui, ça va. Il va se calmer, là. Voilà. Ah. Hop. Je vous vois, je vous vois. Ne vous inquiétez pas. Je vous vois, madame. On est dans un wagon. Il joue à cache-cache, une scène, je crois. Ah, j'ai un coffre. Le coffre. Je vous vois. Ouais, mon perso ne sait plus sauter, c'est incroyable. Mm. Bonjour madame. Ah, je peux pas mettre mon coffre tranquille moi. Y'a quelqu'un là-dessous? Ah oui alors. Ah, yeah. Comme dirait Chantal. Bon, on va aller où maintenant? Bah, je sais pas. Au-dessus ou en dessous? Au-dessus, s'il faut contacter le gros, il faut prendre de la hauteur pour le taquer aussi, non? Oui, c'est toujours en hauteur. Ah, donc c'est toi. Mais où est-ce que t'as pardon, vous m'attendez peut-être. Oui, j'allais dire, on ne voit pas. 1, 2, 3, soleil. Ah. C'est un vieux discothèque. Ici Craig. Ouais. Nouvelle mission pour Rice. Ça va être sale. Il m'envoie récupérer l'argent du racket auprès des rescapés du secteur. Faites ce qu'il dit et ne le faites pas. Gardez bien les D'accord, ok. Bonjour monsieur, au revoir vous. Alors le rapace, tu viens tenir le talkie-walkie? J'arrive. Reviens. Reviens. Reviens, je vais te défoncer. Oh, il court trop vite, le con. Ah, on est là, on est là. Viens, reviens, 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 reviens. Moi, je course le rapace, c'est le monde à l'envers. Mais c'est ce que je faisais aussi. Mais reviens-toi, oui, reviens, allez. Ah, c'est Eurix. Ah, merde, il est mort. Ah oui, ils sont pas si costauds que ça. Bon, bah, il est mort. Alors, ah, il y en a deux, là. Oula. Ah, je me trompe de touche, au secours. Madame Enfer. Je me suis trompé de touche, merde. Tout va bien, Twinsen? Ah, bah attends, j'arrive, je vais te... Bah, si tu veux t'amuser, moi j'en avais deux sur moi, mais je me suis trompé de touche, je voulais me soigner, et j'ai ouvert l'inventaire. Du coup, ils ont le temps de me patater. Ah, tu m'étonnes. J'arrive, je vais essayer d'arriver vite pour faire. Il va mourir. J'ai plus l'habitude avec les touches que j'avais programmées, j'ai plus le réflexe. Oh, il a disparu sous mes yeux. Ouais, sous tes yeux. Ça va, monsieur, vous êtes. Et j'étais quand même loin, hein, parce que vu la course que j'ai faite pour courser le fameux. Ah, bah c'est lui qui faisait les fusées de fou. C'est ce mec-là, je crois. D'autres joueurs vous attendent. Ah merde, vous êtes là-bas. Ah, ah moi j'arrive. Oui, ouais. Il est en train de cuire un petit feu. Ouais, parce que c'est le l'aube. Merde, il était où? Ah, il est là-bas. Attends. Il va se cacher où, cet idiot? Ah, c'est lui, moi. Mais il va sur... Mais il est fou, il va sur le toit de l'entrepôt, il va cuire. Là-bas, des affaires. Ouais. Ouais, non, j'ai loupé, là. Il s'est barré trop loin. Il y a des capacités que j'ai pas. Ah, mais tu te casses. Non, on peut pas l'ouvrir. Bon, là, je crois que t'as pas grand-chose à récupérer, ici. C'est juste les missions, et puis... C'est nul. Lui à faire après en mission secondaire ou principale, je sais plus.
Oh, ben, comme presque tous les persos. Ah, il y a des nanas à poil là, sur le poster là. Alors, c'est quoi la fête aujourd'hui alors, hein? La 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 la. Et attrapé, livraison de butane. Il fait quoi le sage là? Il fait d'accueillir des champignons ou quoi là? Oui, des champignons de butane, tu connais? J'ai du propane aussi. Des champignons de zombies peut-être aussi, non? Ah oui, alors. Tiens. Tiens, voilà du moulin. Hop. Allô, t'es... Oh non. Je vais la chercher. Ah ben non, je l'ai ramené de l'autre côté justement pour te faire plaisir de, okay. De la faire péter. Ah oui, merci. J'aime bien. Non, je suis pas sadique, je vais pas te l'envoyer dessus. Et je suis pas comme ça. Ouais. Oh, j'ai failli la ranger en l'air, la bouteille. Et un colis pour Monsieur Jaffar, hein? Attention, ça va péter. On l'attrape. Dans sa tronche. C'est violent. Il n'ouvre pas, quoi. Ouais. Hein? Cette tête. Ça dépend. T'es qui, toi? Mon nom n'a aucune importance. C'est Rice qui m'envoie. Et tu lui dois de l'argent. Je te connais pas. Qu'est-ce qui me dit que tu viens de la part de Rice? Allez, fiche-moi le corps. Car... Très bien. C'est voilà quoi, ce que je te propose. Je te casse les deux jambes et je te traîne jusqu'à chez Rice. Comme ça, il pourra t'expliquer pourquoi t'aurais mieux fait de coopérer. Ça va, ça va. Tu fais clairement partie de la bande de Rice. Ils sont des brutes impitoyables. Voilà ton argent. Prends-le. Et si je dois revenir ici? Je me tiendrai à carreau, promis. T'es chez toi ici. Mais me frappe pas, d'accord? Oh, il nous a tourné le dos, poli. Ouais, il nous fait du foxtrot, le monsieur. Mais c'est quoi son uniforme? Attends, je voulais lire l'uniforme du monsieur. Ah, docteur! C'est un habit d'infirmier! D'accord, ok. Il est en habit d'infirmier, le mec. Karim, c'est moi. Je viens de menacer un vieillard de lui casser les jambes. Et ça a marché, je parie. Bon, maintenant tu vas chercher la taxe au village des pêcheurs. Dirige-toi à l'est, vers l'entrée du tunnel. Tu tomberas sur leur messager. Bon. Le messager à l'entrée du tunnel. C'est le bordel. C'est le bordel. Et ça va péter. Wow. Ouais. Mais qui c'est qui... Ça suffit, madame. Ah oui, tiens, le sage, tant que j'y pense... J'ai des courses pour Rice. Il est très puissant et tout le monde a peur de lui. Ça, c'est sûr. Bon, écoute, le temps presse. On a presque plus d'antisine. Ah peut l'avouer, mais je commence à m'inquiéter. Qu'est-ce qui crie? Je fais de mon mieux, Brecken. Je sais. Je voilà, tiens. Chant de stase. Waouh, génial, que j'étais infecté. Merci. La motivation ne manque pas, crois-moi. Très bien. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, c'est une scène là. Non, j'ai eu un vomito, je crois. Mm-hmm. Attends, j'arrive. 20 secondes. Ouais, mais t'inquiète. Je suis en train. Le train. Oh, t'inquiète. 15 secondes. Oh, t'inquiète. Allez, hop là. 15 secondes. Zéro. Il y a un vomito qui crache. Hein. Oh, mais attends, je vais aller le voir. Il est où, vomito? Ah, il y a un vomito. Régénère-toi, Kunsen. Je t'ai passé de. Pas mal de soins. Voilà. Et hop là, comme ça qu'on fait. Oh! M'attendais pas à voir ça. Ah, mais... Et tu fouilles pas parce que t'as des gaz ici là. Il était bien l'humain.
Tu devrais fouiller un petit peu, Tunsen, tu vas trop vite et tu récupères pas tout le nécessaire parce que tu peux même manger directement dans des frigos, tout ça. Ah, il y a une fan. Bon. Une fan série. Ah, je l'ai faite gicler. Ah, c'est magnifique. Ah. Oh, il faudra que je me clippe. Elle est passée, j'ai tiré sur le bidon. Oh oui! Ah écoute, oh, elle magnifique. A giclé hors du pont, c'était magique. Magnifique. Au bon moment, oh, le clip là il va être collector. Aïe aïe aïe. Plus la fête à la pétarade, tout va très très bien. Je vais les garder, tes grenades de phasique. Je vais les tester prochainement là, dans les mythes qui suivent. Merci, Tota. Bon, bref, la suite du programme, c'est quoi? Parce que là, je m'éclate comme un fou furieux. Ben là, je suis Quincen. D'accord. Je sais pas ce qu'il... Faut quoi aller? Je vais vous rejoindre. Ben, peut-être en dessous. Par là. Ah, mais ça, c'est pas dans le tunnel? Ah non, il est rayé le tunnel, donc je peux pas y aller, moi. Ah, oh, j'aime bien, moi, les fourgons de police. Je ne résiste pas. Voilà, comme ça. Gonflé. Ah, il n'y a plus personne. J'aimerais faire le fourgon de police. Ah si, il y en a du monde. Oh, ouais. Ah, c'était une autre tour que tu voulais faire, c'est ça? C'est bon, je peux faire le fourgon de... Oh non. Allez, viens, allez! Cette violence, c'est horrible! Bon, et oh, je vais m'amuser avec le fourgon de police, moi! J'en ai marre d'être me faire harceler par tout le monde, là! Calmez-vous, les gens! Enfin, si on peut appeler ça des gens, malheureusement, c'est horrible, mais. Voilà! La barre lourde ne me servira. Bon, mon fourgon, je vais essayer. Eh bien, Twinsen. Heureusement que je suis à côté. Hein? Ouais, c'est bien que tu puisses couvrir. Tu devrais te refaire de la santé, le sage. Ah, ok. Attends. Parce que je vois ta barre de vie sur le... Ah oui, tu as raison, toi, on m'en visite. Donc, t'as bien fait de me le dire. Merci. Il doit être là, le tunnel. Bon, je veux ce fichu fourgon de police. Alors, est-ce que t'as trouvé mon Twin Sen? Ah, je te vois. Oui. Je l'ai déverrouillé. Oh, juste un flingue. Y a rien. Bon attends, je te vide les zombies d'ici là. Mais y'a rien là. C'est quand même à 9000 mètres. Oh, y'en a des choses. C'est rigolo. Mais t'as vu l'autre tunnel? Non, c'est l'autre tunnel, on dirait. Hein. Attends. Tiens, t'as une porte là, ouais, c'est ça. Alors attends, est-ce que c'est vraiment cette de ce côté ou de l'autre côté? Hop, attends, je vais te débloquer la serrure de ce camion de police si tu veux. Ah, c'est génial les camions de police. T'es rarement dans ce... Bon, là j'ai eu un 9 mm, mais bon, ça fait le café. Hein. Ah. Alors, votre approche du jeu, attends, est-ce une légère sensation de ressemblance à être laissé pour mort hein, pourquoi je reprenne mes habitudes de Twin. Je me demande même si c'est pas une partie de l'équipe, c'est pas les mêmes concepteurs en commun, Nayane, entre Left 4 Dead et Dying Light. Mais ouais, c'est de la zombie. Zombie action.
Voilà, c'est bon. Oh merde. Prends tout. Voilà. Bon, du coup, c'était pas ici. C'est pas le bon endroit. Ah, dommage. Dommage. Venez ici, mes agneaux. Oh. Oh, c'est beau. C'est tellement surréaliste. Aïe. C'est magique. Oula. Bon bref, vous êtes où? Je ne sais plus. Vous êtes là-bas. Elle est où, bonjour, le tunnel, putain? Ah! Ah, la petite coffre tous les jours! Il y a du confit dedans. Ah, ben c'est bon, c'était par là. C'était bien ce tunnel-là, Timson. Oh, mais. C'est juste que. On se calme, oui, mais. Ça suffit maintenant, messieurs, dames. Tout ce garbage. It's a garbage. It's a garbage. Vous êtes la balle. Hop là, nickel, comme ça qu'on fait, ça se fait mal. Alors, vous êtes dans le tunnel, non? Non, mais j'y suis pas. Moi, j'y suis, hein. Je suis resté dans le tunnel, j'ai ouvert le camion de police. Ouais, je vois ça. Je vois ça. Je prépare le terrain pour qu'une scène, pour pas qu'il se fasse avoir. 1, 2, 3, soleil. Le héros qui est comme s'il était sur les parois d'une vitre. C'est rigolo. Ah, donc là, il faut vous attendre. Donc, c'est OK. Hop, il y a des choses à récupérer aussi, des lames, des scies. Je vérifie à droite, à gauche. Il y a un coffre à ouvrir maintenant. Ah, mais le tunnel d'à côté, Torota, il y avait deux fourgons à ouvrir. Trop bien. Comme oh, tu sais, c'est pour ça que moi, je me fous plus trop. T'as fait comment pour passer à Torota? Moi, je suis au niveau du camion de police de tout à l'heure. C'est là où tu m'as dit le... Non, il faut que tu repasses de l'autre côté. Le même chemin qu'on a fait. Ah merde! Je suis en train de péter mes crochets, moi. Il t'en reste combien de sages? Oh, des centaines. Ah voilà. Des centaines. Oui, mais j'ai 99 plus. Oh, j'ai gagné une hachette redoutable. Pas mal. Inventaire plein. Ouh! Mais celle-là me paie cette barre. Qu'est-ce que je peux virer, barre lourde? Et ben voilà. Je peux pas passer, moi j'étais dans le dungeon, je peux pas passer, c'est quoi cette affaire? Attends, j'arrive. Je vais te récupérer. Ah! J'ai fait des bêtises avec la serrure du fourgon de police. Ah non! Je croyais que je l'avais. J'arrive une scène. Attends, on était passé par là. Tu es dans le tunnel? Devant, à l'entrée. T'es à l'entrée, ok, j'arrive. À l'entrée des deux tunnels. J'arrive. Bouge pas. Et ça commence à arriver, hein. Oh, j'y arrive plus. T'inquiète, j'arrive, je cours. Ah merde, oum. Madame qui m'a interrompu. Hop, je vois ta flèche. Tiens. Hop, tu me vois à ta droite. Ouais. Bon,
Voilà. Ah, inventaire plein. Eh ben dis donc. Allez, let's go. On repart. Et let's go. Hop, on va passer par là. Here we go. Ah. Un problème, les garçons. Ok, let's go. C'est moi ou j'ai entendu un avion de chasse? Non, non, c'est un avion qui dépose des objets. Ah. Mais ça, c'est pour faire du... Hop. On va passer par là. On va glisser par ici. Sans se faire mal. Le survivant est mort. Ah ben c'est pas de bol. Alors, vous êtes... Non, je suis allé trop loin, moi, dans mes endroits. Attends, vous êtes pas... Allez, let's go. Attends, pourquoi je vois là-bas, moi? Ouch, je me suis fait bobo. Voilà. Par ici. J'arrive. Merci. Hop. Voilà. Nous sommes un trio. Faut que je vous rejoigne. Vous êtes dans le tunnel, c'est ça? Oui. D'accord. Là, c'est juste après à gauche. Non, dans l'autre tunnel. Oh, mid. Dans l'autre tunnel. La 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 la. Merci, Toyota. Attends, il y a des trucs, il y a un coffre. Ici, il y avait un truc ici. Voilà. Un coffre. Et après, vous avez un coffre qui est juste là, donc pour ceux qui veulent. Après, moi, je n'ouvre plus. Mickey. La 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 la, la mallette aux surprises, qu'on se le dise. Café, des piles, ruban adhésif, fouillé, $5. Oh, c'est dégueu. J'ai vu des choses d'air. Alors, Tunsani, où on appelle du? Non, il est là. Il arrive, Tunsani. Il fait une fouille délicate. Si, d'ailleurs, en parlant de Soustou. Alors, attends. Je vais vous donner un truc pour vous faire un petit peu de sous aussi, peut-être. Ah. Ouais, tu t'es affiché un hexadécimal, c'est ça? On va dire la thune, je m'en sers pas vraiment, je trouve, parce que j'ai quasiment un quart de million, et puis. Voilà quoi. Tunsen, si tu veux, ça te permettra quand même de te faire un peu de sous. Ouais, j'ai 2534. Hein. C'est un bon début. C'est un bon début. Bon. Voilà, plein de café, ça te donnera déjà un peu. Et puis il faudra qu'on regardera tout à l'heure dans le sac. Oh, la merde. Je l'avais oublié, lui. Badaboum. La 1018 à ton stream, là, quand même. Un infecté gigantesque vient d'exploser sous mes par yeux. Par défaut, je crois que je dis que c'est une chaîne pour adulte, oui. Que là c'est bien gore. Tu plaisantes? T'approches pas et tout ira bien. Et le messager, tu l'as vu? Non, j'ai vu personne.
à part des zombies. Très bien. Il va falloir que tu ailles jusqu'au village dans ce cas. Le type que tu cherches s'appelle... Attention, ça va pétarader. Et prout. Ah, je suis coincé, il me prend gangbang. Oh, il est fou. Attends. Il veut jouer à ça, le monsieur vilain. Voilà. Si, il n'y a pas le Tnewek. Ah, oh, mon dieu, le pont. Ah. Allez. Oh là, t'as eu chaud toi aussi. Bah oui. Non monsieur. Ah mais tiens, tant qu'on est là. Est-ce que je vous amènerai pas à un endroit précis? Ça grouille d'infectés. Alors, vous êtes où? Droit devant, ok. Il y a un village à nettoyer. Ouais. Ouais, enfin là, on est sur un pont et c'est pas le village à nettoyer. Là, Mais. Ah, mais encore! Elle a sauté là, madame. Oh, ouais, mais moi aussi, j'ai sauté déjà. Pardon, je savais pas que t'étais là, je t'ai pas vu, vraiment, je suis désolé. C'est pas grave, t'inquiète pas, je vais manger. Tellement drôle. Attends, je peux pas en refaire des flèches normalement si. Des explosives. Ça va dans l'eau les zombies ou pas? Ça va dans l'eau? Je crois qu'ils se noient, c'est nunuche. Mais... Je crois qu'ils se noient. Ah, je peux faire des carreaux mais pas de flèches. Ah merde. Attends. Des flèches étourdissantes. Ah, j'ai ces trucs, faut que j'essaye. Flèche incendiaire, c'est rigolo aussi. Laissez-moi vous allumer, madame. La 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 la. Mais. Ah. Voilà. Utilise la grenade que je t'ai passée. Comme s'il y a du monde, fais-le. Là, tu vas te régaler. Mais, madame, s'il vous plaît, j'étais en pleine discussion d'intellect. Ouf. On peut le dire, il a feu aux fesses. Ah, hey, Twins. Je suis crevé. Attends, on arrive. 20 secondes. On arrive. Oh, t'es loin, merde. Ah non, je suis dans le village, il faut descendre, on est sage. Ouais, je suis au village. Je descends. Alors, il est où? 5 secondes. Ouais, t'es trop loin. Ah bah, je cours, moi, hein. Je suis un lapin. Mais ouais, mais tu... Ah, tu te reprends du pas. C'est pas normal, c'est un lapin. Ouais, non, mais... Et en plus, j'ai des zombies qui m'ont fait barrage à l'entrée du patelin, donc laisse tomber, quoi. Le temps de donner des coups de hache et faire gicler les têtes. Désolé. Ah, j'ai fait un saut magnifique sur un bus. Faut que je referme la porte avant qu'il y en ait d'autres qui entrent. Ça y est, la porte est fermée. Donc déjà, vous serez tranquille. Alors, oui. Faut que je regarde la carte là, 2 secondes, et après je vais vous laisser. Un endroit mystère. Ouais. Moi je t'avoue qu'après je serais tenté de manger et puis de basculer tout à l'heure après quelques clips, tu sais, en soirée, discute, et moi je fais la suite du Lego que tu m'as offert. Ah oui. Je vais peut-être, alors je dis pas que je vais tenir jusqu'à minuit, mais exceptionnellement. Vous voyez le ping? Oui. Que j'ai mis Pink,
que tu as mis. Oui, le ping bleu. Flèche bleue, ouais, vers le bas. Ouais. Ben attends, on va y aller avant d'arrêter. Ok. Comme ça, ça te permettra une scène aussi. D'aller plus haut. Alors moi je l'ai récupéré, donc ça va aller. Mais voilà, c'est un petit bonus. Mais bon, j'expliquerai en temps voulu. Je sais plus ce que je vois là. Une sirène, mais. Oh la madame. Oui. C'est... Oh là là, c'est d'un érotisme. Oh, c'est horrible. C'est un érotisme morbide en fait. Ouais. Attends, il y a des algues à récupérer. Il y a des bons trucs normalement dans les. Enfin, je vais aller sur ton lieu évidemment, mais. Ah. Qu'est-ce qu'il y a, Tunsen? Je voulais approcher tranquillement, il y a un mec qui est arrivé. Un classique dans le jeu, ça. Alors, Tunsen est parti là. Torota, pardon, est parti là, je te suis. Sérieux? Faut aller tout là-bas. Eh oui, Jeux Olympiques déjà sous la Seine. C'est ce que j'allais dire, on est dans la Seine, l'eau dégueulasse. Ça sera en grosse sandale militaire, enfin, tout va bien. C'est n'importe quoi. Allez sous l'eau, et cracher sa petite bulle. Mais vous êtes où là? Oh, on se baigne dans la baie de la ville. Ouais. Ouais, c'est ce qu'on dit, ça baigne, ouais. Tout va bien. Je te rattrape. Oh! C'est pas vrai! Allez! Vas-y, fais-toi plaisir. Ah oui, d'accord, c'est de l'acharnement. Mais tu peux récupérer l'épée, fais-toi plaisir. Bah attends, moi je suis bloqué. J'ai le début du halt et après il se passe plus rien. Enfin, moi c'est ma. Alors elle est bonne. Toujours autant. Caca. C'est que... Voilà. Normalement. Attends, ils disent maintenir, moi il se passe rien. Voilà. C'est quoi le délire? Moi c'est X pour récupérer. Ouais, moi c'est la touche alt, mais ça veut pas. Toi c'est alt. Et ça marche pas. Bon, mais attends, je vais la récupérer, je vais te la donner. Ah ouais, mais ça fait une... C'est bizarre comme bug. Ouais, essaye une scène de prendre la tienne, parce que c'est énorme, cette arme. De quoi? Bah là, ce qui est planté dans le corps du gars. Ah, c'est écrit maintenir X. Ah, faut peut-être le faire à plusieurs. Je sais pas. Ah, essayons à 3. Les chevaliers de la table sont le rond. Non, j'ai pas l'icône. Non, moi je l'ai pas. C'est étrange. Ah non, c'est parce que c'est long pour l'enlever, je crois, de mémoire. Parce que regarde ta barre de chargement, elle se fait, mais elle est plus longue. Ça pour être longue, oui. Je vais avoir une crampe, moi. C'est vrai que j'avais carrément zappé cette histoire. Oui, et par contre, une fois récupéré, ce n'est pas tout parce qu'il y a le plan qui sera juste en dessous. Oh, merci, sacré trouvaille. Pour dire, c'est l'une des armes les plus puissantes dans le jeu, mais l'une des plus fragiles du jeu aussi. Elle se répare autant de fois qu'on veut ou pas? Non, elle se casse
en une fois. C'est-à-dire, elle a une certaine usure que tu ne connais pas. Mais par contre, si elle se casse, c'est définitif. Et c'est pour ça que tu as le plan toi après. Pour la refaire, mais elle ne sera pas si puissante. Ah, génial. Ah, c'est sympa. Ah, comme quoi, c'est mieux de le faire à plusieurs, ce jeu. Ouais. Oh, j'étais loin d'avoir pris tes armes. Je l'ai bien torché, ce jeu. Ouais. Bah, moi, j'avoue que j'avais dans mon chat des fans du jeu de passage qui me disaient « Est-ce que tu veux que je te donne des astuces, machin ?» Puis moi, à chaque fois, je décline. Je dis « Oh non, écoute, j'aimerais découvrir par moi-même. C'est ma première partie. » Mais bon, là, voilà. Je reconnais que j'apprécie l'astuce. Voilà, c'est pour ça que quand il y a des petites astuces pour trouver des armes intéressantes, je le fais. Mais sinon, dans l'histoire, je ne dirai rien, forcément. Mmh, oui, merci. Non, mais là, les développeurs, ils sont amusés à mettre en valeur en attente d'extraction. C'est bien long, hein, votre histoire, quand même. Ouais, au lieu de mettre 3 secondes, ils sont amusés à mettre 3 zéros derrière. C'est 3000 secondes. Ah. C'est un temps de ban. Ouais, une demi-heure à attendre avant qu'elle s'arrache du corps. Parce que c'est l'une des armes les plus fortes. C'est pour ça. Elle présente bien. Mmh. Moi, j'aime bien. Elle est bien modélisée. Excalibur. Mais bon, comme elle cassait les noix, on peut dire que c'est Excalibur. Oh là 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 là. Ah, mon inventaire est plein. Ah, la misère. Voilà. Là, t'as le cadavre qui va commencer à cramer. Mmh. Tu peux récupérer l'épée. Si tu veux, ou je sais pas qui. Il faut que son inventaire soit pas plein. C'est une scène. Tu jettes un truc qui te sert à rien, et puis voilà. Des compétences, là, je prends des compétences. C'est très bien. En fait, 800. Allez, dans l'eau, hop. Waouh. Et après récupérer le plan histoire 2. Bien vu. Voilà. Bien vu. Eh bien, ce jeu. Là, toute scène, tu peux prendre le plan, ça te prend pas de place. Ça, t'as pas de souci de ce côté-là. Ah non, mais j'ai tout pris là, j'ai pris l'épée, j'ai pris le plan, c'est bon. Ah bah alors, je prends le plan. Ok, nickel. D'accord, dégâts 328. Ouais. C'est bizarre que tu mixes une des meilleures parce que elle fait 328 de dégâts, la mienne elle fait 1074 de dégâts. Ouais, enfin c'est ce qui était dit. Enfin, ça c'était dans les débuts quand je connaissais pas le jeu. Maintenant, il faut que je me fasse aussi une place. Mais c'est sympa, merci, je connaissais pas. Redoutable, hop, et voilà, j'ai Excalibur, ça ira. Bon, mais voilà, c'est sur cette petite île qu'on va finir le stream. Et à glou, ouais, c'était bien, merci, c'était cool. Moi, je vais vous mettre les clips, le temps de dîner et de préparer ma scène de Lego, et puis on discutera. J'en reviendrai sur le fameux tapis rose. Le fameux tapis rose, ouais. Complètement. Rose saumon, ouais. Je vais pousser un peu, faire un peu de place, et puis... Ah, tout ça par terre, c'est bon. Ouais, j'ai pas la connectique qui suivrait, elle vient de m'installer par terre, mais de toute façon, ce serait pas confortable pour moi. Dans ton lit, je sais pas, moi. Non. T'en as de ces idées, tu es une scène, mon dieu. Je suis revenu. J'ai bao. J'étais bien. Mais c'est... Oh. Bah alors, ton retard. Ton retard qui arrive. Ouais. La fatigue de la neige. Je vois ça. Eh ben, messieurs, c'était bien. Merci. La prochaine, on sera peut-être 4 avec Nayonet. Vous imaginez le boxon? Ça va être trop bien. C'est 4 maxi, hein, normalement. Ouais, bah ce sera bien avec Nayane, ce sera très drôle.
Voilà, ah je bah... suis là. Quitte. Allez, cool. J'ai... Merci. À tout alors, à l'heure, coup, pour ceux qui vont venir dans la vocale directe. Est-ce que la progression que j'ai faite à l'instant, c'est pourra repartir quand je serai tout seul? Si jamais repris. J'adore le message que j'ai eu. Pourquoi? Félicitations, parce qu'il y a marqué félicitations, vous avez vaincu Rice et terminé la campagne. Des récompenses spéciales sont débloquées, rendez-vous sur la planque de votre joueur. Je l'ai déjà fini depuis belle lurette. Nickel. Aïe aïe aïe, ce jeu. Ah, et Dragon Kai qui joue aussi à Dying Light aussi, tant pis. Ah, ça fait tellement de bien de reprendre ce on jeu. On aura des Dragon Sky. Ouais, on aura d'autres occasions. Ouais, c'est pas grave, parfois on fera tourner, on prendra Dragon Sky, ce sera Nyon Air, en fonction des disponibilités, mais c'est cool. C'était cool, merci. Mais de rien, merci à vous. 50 euros. Oh la vache, comment je me fais bombarder de messages de Epic. Mon dieu. T'as pris le jeu Red Out 2 qui attend qu'il y ait ? Ah non, tu fais bien de me le dire. J'allais couper. J'allais t'as quitter. Une semaine pour le prendre. Hein. T'as une semaine pour le prendre. Ouais, hein, mais je vais le faire maintenant parce qu'après j'ai oublié. Donc c'était même quoi le nom de ton jeu ? Bah tu descends dans la page principale et tu verras ta jeu gratuit. Et tu peux même regarder une bande annonce si tu veux. Attends, on joue gratuitement à Night Spring. Tu vois là, dans l'onglet boutique à gauche, bah tu descends et puis tu verras. Jeu gratuit. Et t'as Idle Champion Dungeon and Dragon, mais ça c'est bof, c'est bof. Et t'as à côté, t'as Red Out 2. Jeu gratuit. Découvrez les jeux gratuits, blablabla. Alors il charge. Ah, Red Out 2, c'est ça. Ouais, tu cliques dessus, tu fais machin, ok, puis c'est bon. Pardon, obtenir, oui, merci. Ah oui, moins 100%. Ouais. Ah oui, j'achète. Ah bah oui. Alors, gagner 0 euros de récompense sur cet achat. Ah bah oui. Bah oui, les jeux gratuits, t'as pas le droit aux récompenses quand t'achètes. Oui, tu m'étonnes. Merci, un mail vous a été envoyé, veuillez pas fermer, blablabla. Merci Twin Chain. T'es pas obligé de l'installer tout de suite, hein. Et voilà. Oui, on verra plus tard, ouais. Et quand on pourra y jouer à plusieurs, bah là, ça sera top. Ouais, c'est bien. Et toi, que la semaine prochaine, bah, il y a un jeu de gâteau, là, je pense quoi, la Freshly Frosted. Mm-hmm. Un jeu de gâteau. D'accord. Une sorte d'usine des gâteaux, quoi. Un truc de réflexion. D'accord, d'accord. Ah, bah, c'est bien, Mickey. Allez, je vais vous mettre les clips, c'était cool. C'est pour ça qu'il faut surveiller. Je conçois, c'est malin. Alors, j'ai pas